Are you ready? Hey, think you could tell us what to do? You think you could tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Degenerate into something fool. We just got tired of doing what you told us to do. That's a brace, boy. Yeah, that's a brace, little man. Break it down. Degeneration up. Degeneration up. You think you can tell me what to do? Who you're talking to? Well, you better get used to the way the ball bounces. I see what you got, it measures in ounces. But that's a brace, boy. Yeah, that's a brace, little man. Break it down. Degeneration up! Degeneration up! You think you're a big man? Treat you like you're a little man. Yeah. Break it down. Yo, tell me what it's like to be half a man. It must break your heart to see what I am. But that's a brace, boy. Yeah, that's a brace, little man. Break it down. Degeneration up. You can tell me what to do. You know who you're talking to. Just stop wanting me to be someone else. Put it away like a book on a shelf that you can't read, boy. Yeah, that you can't read, little man.
Bonsoir. Hey. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la CGM Télévision. Allez, on arrête ça. Bonsoir à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon samedi, un bon début de week-end pour ceux qui le sont. Merci à tous d'être sur la CGM Télévision. Je suis évidemment le capitaine Jeff Monson, votre hôte pour cette journée. On va jouer à Warframe avec Sisha comme tous les samedis après-midi, vous le savez maintenant. C'est le rendez-vous hebdomadaire Warframe avec Sisha, on l'adore. Ça va être super, il n'y aura pas de caméra pour ce stream-là. Il y a une raison particulière, parce que en général sur Warframe, j'aime bien chillax de ouf. Donc j'aime bien être un petit peu en mode un petit peu mal assis et tout. Mais surtout qu'il faut que je joue à Supercard en même temps et voir la vue front toutes les 15 secondes, ça va être chiant. Donc on va enlever la caméra, mais on va quand même jouer au jeu. Il faudrait que je lance le jeu déjà. Ce serait pas mal. Ce serait vraiment cool. Donc on va lancer le jeu. J'ai pas lancé le jeu avant parce que pour éviter d'avoir le son et tout, c'est un peu chiant. Donc let's go. J'espère que vous entendez pas trop le clavier parce que c'est un enfer de jouer avec le clavier, de jouer à Warframe. En tout cas avec le clavier qui fait pas de bruit là. Le clavier que j'ai acheté spécialement pour pas faire de bruit pour pas réveiller ma forme. Donc voilà. Donc let's go. J'ai un petit Coca-Cola. Buvez de l'eau, mangez des pommes, c'est important, bien sûr. Et on va appeler Sisha dans quelques instants. Promis. Promis. J'espère que ça va. Vous, de votre côté, on a eu un très bon live hier, en vrai. C'était agréable de ouf. C'était un très bon live. On a eu des abonnements. On remercie encore, bien sûr, Vocal, qui a tout donné. Qui a régalé la CJMTV de ses lumières. Merci à lui beaucoup. Surtout qu'on n'a pas joué au jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au jeu, malheureusement. Très longtemps. Peut-être une semaine qu'on n'a pas touché le jeu. Je joue plus au jeu maintenant. Oui, il se passe quoi là? Ah, attends. Ah, mais c'est un Prime Gaming, d'accord. Inclus gratuitement avec Prime. Non, je m'en fous. Je pensais que c'était important, mais non, c'est pas important. Ok. Alors, on va mettre le jeu. Jouer le jeu. Hop. Pas de caméra, bien sûr, comme on l'a dit. Voilà, magnifique. On est une... J'appelle le poteau, bien sûr. Et on est parti, on va jouer. C'est super. Salut. Yo, ça va? Ouais, toi? Impeccable. T'as une petite voix, mec, aujourd'hui. Là. Fatigué un peu? J'ai fait, ouais. Ouais? Ah ouais? Merde. Je m'endors le froid. Ah merde! On peut repousser, on peut arrêter, hein. Moi, je fais autre chose. Tranquille, c'est juste la voix qui est fatiguée. Ok. Bon, bah écoute. J'espère que ça ira quand même, hein. Tu vas pas nous claquer entre les doigts, ce serait dommage. J'ai quasiment pas joué cette semaine. J'ai pas joué de la semaine non plus, je te rassure, j'ai rien foutu, donc on part tous les deux de zéro. Je te remercie encore de m'avoir aidé la semaine dernière, là. Pour le pass, merci beaucoup. Du coup, on va... attends, j'ai de la fonderie, apparemment je dois avoir un format qui doit être fait, il faut que j'en lance un, du coup. Voilà, j'en ai une trentaine de faits. Archonte, comme d'habitude, comme tous les samedis. Archonte comme tous les samedis et on va essayer de faire... On va voir ce qu'on fait derrière parce que mec, en soi, on rigole, mais on n'a pas vraiment tant d'activités que ça à faire. Hein. Mis à part des trucs ultra chiants, il reste pas grand chose. Hein. Attends, on va pas se faire on va pas se faire du Zariman toutes les semaines quand même. Non, mais il y a du Railjack. On peut tourner. C'est vrai qu'on peut faire du Railjack. <quoi. rire> Non, sinon, la sortie d'aujourd'hui est pas trop casse-couille. Ah bah on peut la faire alors dans ce cas-là, on peut la faire. Espionnage, on se met à deux ou pas? Bah si c'est que le... Ouais, le spy, on se met à deux, ouais. On va pas se merder. Attends, à avoir d'autres gens avec nous. On fait quoi, là? On fait... C'est quoi? C'est la... C'est l'archonte, là, en espionnage? Ouais. Ok. Alors, attends, faut que je gère un truc en même temps à côté, comme je l'ai dit. Jouer au supercard en même temps, c'est important. Alors, je sais pas quoi prendre comme arme principale, je sais jamais. Donc on va garder ça. On va jouer à Arrow, par contre.
Ah, il faut pas que je prenne le Laetum aussi là? Si, il faut que je joue Laetum en fait. En fait, c'est un espionnage, pas besoin de Ah, il faut quand même que je tire dans morfler. des gens, ouais. Ouais, bah je vais jouer Loki alors. J'ai deux Loki Prime parce que ouais, il y en a un qui était cadeau. En vrai, attends, en vrai, on va faire une dinguerie, attends. On va faire genre, on va prendre quand même le. Voilà, le Kouva-Brak là. J'ai pas un autre truc à up là? Pas qu'on y est? Ok, non. Ok, et eh bah ben, let's go. C'est pas juste que j'ai le bon build. Oh, tant que tu as su, je suis plus de 10 secondes, ça va? Ouais, bah en fait j'en ai un où il y a un détecteur aussi de. Un détecteur de. Tu sais, de menaces, tu sais, avec qui s'affiche sur le radar. Et il y en a où je l'ai pas, je crois. Donc bon. Ok, let's go. Must understand Pazul to understand his Narmer. You know these vaults. Get in. Find what you can. Ah, ça, 25 secondes. Bon, allez. I am no mere cipher to be Ça devrait aller. cracked. Come to me in humility. Tu vas où? Abase yourself. Bah A, je pense. Ah, you will understand. Je vais aller sur B et on se rejoint à C si jamais. Il m'a fait un jeu de piste là avec ton truc là. Du coup, je peux suivre le truc et je sais où je vais. Je joue quoi d'ailleurs? Loki. Lisa. Ok, ok. Ah, t'as mis la trace là. Ouais, pourquoi encore plus vite? Oula. Ok. Bon, faut pas que je te touche. Bien joué. J'ai vraiment du mal avec les consoles d'armée, hein. Bah en fait le truc c'est que c'est vrai que je peux pas aller faut se concentrer à fond en plus. En plus c'est ultra long en plus, what the fuck. Ouais. Oh tu mets un temps fou mec, c'est horrible. Envie de péter un plomb. Ah c'est pour ça là, quand il y a l'autopirate qui proc avec le parason, je suis content. Par contre, là, il va falloir. Ouais, il va falloir bah, que je me rappelle comment on le fait. Celui-là, c'est celui que j'arrive pas là. Celui que j'arrive. Tu m'as dit qu'il y avait un genre de passage quelque part qui permettait de le faire rapidement. Celui-là, Non, c'était au-dessus, juste au-dessus de la salle. Voilà, ici, là. Tu là? l'avais. Ah merde, ah non, mais Ah, je t'as suis pu passé voir. devant. Ah là, tu pas. Ah oui, je crois Ouais, que c'est là. Je crois que c'est là. ici. Ok. Avance. Voilà, et fais gaffe, t'as un laser et t'as une écoutille. Enfin, et l'écoutille, il y a aussi un laser, je crois. Non, il n'y a pas de laser Non, il là. n'y a pas de laser sur l'écoutille, mais Il y a un sur la laser console, il y là. a un laser et faut se dépêcher. Ok, alors attends. On va attendre que ça passe. Ouais, bon, bah. Hein. On l'a eu, hein. Mais bon, j'ai déclenché quoi. On va les tuer, ça fait de l'XP. On se barre? Nice. Nice. Burn the sickness out of him if I have to. You're still in the clear. No detection from enemy sensors. No detection for enemy sensors. C'est vraiment plus rapide quoi. Ah bon, je suis à 4 km hein, vraiment. Ah, je passe à, on passe. Ah non, je passe à travers les ennemis. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je regardais si je faisais des dégâts avec mes armes. Bah moi non, je le dis. Enfin, si le Bah. braque, mais braque, j'ai pas. Enfin, le Brahma, mais j'ai jamais de balles. Moi avec le glaive, mais. Loulouloulou. Nice!
C'est quoi la suite? T'as disruption. Oh. Non, ça va, disruption. C'est faut. Ah oui, c'est les clés là. Ok. Bah, je confondais. Oui, c'est avec pas désertion. Oui, voilà. Mais tu confonds avec désertion. Tout le temps, mais tout le temps, mec. Hein, à chaque fois. Hein. À chaque fois, je râle. À chaque fois, tu me dis non, mais c'est pas ça. Alors, hop, exit. On va juste prendre Arrow, par contre. Et on va pas prendre le Brahma parce que c'est chiant en fait à jouer. Mais non, je tape Brahma dans le truc de frame. Et on va juste mettre. Qu'est-ce qu'on va prendre comme arme du coup? Bah non, je joue la Etoum, donc ça fait un peu chier quoi. Est-ce que le Boubonico ça fait le taf? Pas sûr. Hein. Moi j'ai pas d'arme principale en fait. Hein. Pas besoin. Je sais pas en arme principale en vrai. Ah, j'aimerais XP mon. Ouais, regardez le Brahma. Allez, regardez le Brahma. On va dire que le Brahma ça fait les gars. J'ai envie d'XP mon braque en fait. Tu t'es remis en public ouais. En public. Et bah let's go. Azul has stowed sacred armor artifacts in corpus conduits. We need to ransack them. Oui. Attends, c'est ça son accélération? Pourquoi j'avance pas? Ah, il doit y avoir un truc. Pourquoi j'avance pas? Je suis si lent. Je suis si lent. Something happens to the conjure before you can pull the goods. You don't get the goods. Ever. Also, the bleeders Allard sold the tech to will try to kill you. Give that console the old problem, so we can get ah, this started. Voilà, 83% de dégâts en plus. Allard B sold the conjures with interference routines specifically designed for the tenants. Don't you worry though. Hop là. Ah, par contre j'ai pas le Laetum là. On a zéro clé là. Du boulot ça, on vaut bon. Ça fait longtemps. Non mais à part en défense, comment ça s'appelle là? En défense, enfin les Vauban on les voyait à l'époque. En défense, comment on appelle ça là? Avec les infestés là. Putain, c'est quoi? Défense avec les infestés? Ouais, t'as une défense où t'es au milieu d'un truc. Enfin t'es au milieu d'un... T'es au milieu d'un genre de temple, de temple. Enfin, c'est pas le sanctuaire. Hein. C'est un autre truc. Ah, je l'ai fait la dernière fois, il y avait un truc dans le style pass là, pour faire les essences vitales. Ah, le truc. Ah oui, le truc pour choper Nidus là. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ok, il est là-bas. Je fais pas de dégâts par contre, je suis désolé. Ah oui, mais je fais pas de dégâts là. Ah bah c'est foutu en fait, il est mort. On va le perdre le truc. Ah mais si j'avais su, j'aurais pris des armes, putain. Ok, il y a personne qui peut faire de dégâts. Au moins, nous le savons. What? Sérieux. Ah mais ma balise elle a dégagé. Qui a fait virer ma balise? Ah. On est par où? Ah. Bah déjà qu'on n'arrivait pas à tuer l'autre.
Mais c'est ma faute, j'aurais dû prendre mon Lightum. Il arrive. Il est où? On va pas en défendre un seul. Il en faut 8 hein. Mais regarde la gueule des mecs avec qui on est aussi. 2 et 19%. Ah. Quoi? Mais en plus je joue que Braque en plus. Bah oui. Je joue vraiment que Braque, hein. Genre je peux pas. J'ai... C'est ma faute, j'aurais dû prendre le Lightum. Ivan. Faut qu'on quitte mais qu'on a pas le choix. Hein. Faut qu'on perde. Hein. On pourra pas les down en fait. Ouais, on se casse, hein, je pense. Ouais. Vas-y, faut give up en fait, on n'arrivera jamais. Il faut give up là. T'as pas le choix. Oui, oui. Je vais prendre le Lightum. Putain, ça joue bon, mais ça sert à rien quoi. On comprend pourquoi on n'en voit jamais. Bah, c'est juste que là, oui. Alors, on va jouer le Lightum, on va arrêter de faire n'importe quoi. Parce qu'apparemment, si on fait pas de dégâts, personne n'en fait. Qu'est-ce que je peux prendre à la place du Braque en vérité? À la place du Brahma, pardon. Le Bunico, c'est pas une bonne idée. On va prendre le Bunico parce que j'aime bien le style. J'aime bien le style du perso quand t'as le Bunico. Ah, fail to join session. Ok, session not found. Ah. Faire vite alors? Apparemment, ça n'a pas à trouver. Ah, j'accepte. Ok. Let's go. Oui. Tintin. C'est quoi ça? Et ça, c'est ça. Ça, on s'en fout. Incursion style pass. Pourquoi j'ai ça maintenant? J'avais pas avant ça. Parce que t'es en style pass. Enfin, dans le filtre style pass. Ah bon? Ah oui. Non, pas ça. Par contre, ok. Disruption. On est en public. De toute façon, j'ai mon Lightum là, donc c'est bon. Ah, c'est bon, tu fais les dégâts? Ouais, bah oui, bah ouais. Tant pis, j'XP'erai pas mes trucs, mais bon. Après, par contre, c'est pas vraiment le truc pour XP, c'est machin, quoi. Il y a plus efficace. Je fais ce que je veux, d'accord? Arrête de me juger là, tu me juges fort, je trouve. Non, mais. Je trouve, hein. C'est censé être le truc ultra late game quand même, les archontes. C'est pas fait pour XP. Déjà, c'est pas l'endroit et en plus, c'est pas efficace. Non, mais l'idée, c'est que déjà, on est censé avoir des mates déjà. Et quand tu vois que je suis qu'au Brahma et que je peux faire que des dégâts avec mon Brahma, que j'ai 40% des dégâts, bah ça fait un peu chier, tu vois. En vrai. Putain, mais j'ai un problème de souris, je crois. Il y a un problème avec mon perso. Hein. Là il avance, là, tout à l'heure il avançait pas. Tout à l'heure je pouvais pas courir. T'es en public? Ouais. T'es en public? Ouais, ouais, ouais. Attends un peu en vrai. Mais oui, je suis en public, ouais. We try to kill ya. En vrai, je pense qu'on le gère tous les deux, hein, mais. Attends un peu quand même, attends un peu, 2-3 minutes en vrai. Regarde comment je te booste là avec le rugissement de Rhino. Nice. 83% de dégâts. Avec le Lightum, ça va être merveilleux. Voilà. C'est juste que les gens, il fallait qu'ils prennent le temps, quoi. Magnolia Forever. Neza et Garuda. Neza et Garuda. Femnor, Lightum. Ah, mais ça. Oui, Neza. Ignis Vrace. Ouais. Logique. Acarius, on connaît pas. Oui, bah, ça va le faire. Let's go, hein. Ouais. Ah, c'est trop perturbant, ouais. Les mecs qui regardent ça, ils disent, putain, mais il est con. Mais c'est trop dur, hein, ouais. Hein. Ce truc-là, c'est trop dur, hein. Envie de péter un plein. Hein. Bien sûr. C'est où? Oh. Ouais. Ah mais attends, mais ça c'est fort en vrai.
là-dedans. Il va l'exploser le boss là. J'espère bien. Même pas besoin de jouer là. Ah si, quand même, Bobo Nico c'est pas mal en vrai. J'aime trop cette arme en vrai, je la trouve trop stylée. Trois scintillants de corne et... J'ai la science. Ok, bah allez gros. Alors on va arrêter un petit peu plus tôt que d'habitude. D'habitude on s'arrête vers 18h, mais là on va s'arrêter un petit peu avant parce que ma copine finit à 18h là. Ok. Donc on s'arrêtera vers 17h30, 45 parce que j'ai des trucs à faire à la maison aussi. Donc ça fait pas beaucoup de temps de jeu, mais bon, du DSL. C'est vrai qu'il faudra pas faire les trucs trop longs non plus quoi. On va mettre le... Aujourd'hui mon light tomb là. Pas des headshots mais... Il y a un problème là. J'ai un problème d'input là. Il est où le bonhomme? Je sais pas, je l'entends pas. Ah il est là. Ah il arrive. Il est où? Il est là. Merde. On charge vite. Merde. Merde, ma faute. Ma faute. Je sais pas si j'aurais dû le bloquer, je l'ai pas fait. Bon. Pourquoi c'est si dur là, en vrai? Je fais que 16% de dégâts, je suis nul. C'est moi le maillon faible. J'ai la rouge. J'ai la bleue, je crois. Ah. Bah, go la rouge, j'allais plus près. Go la rouge, j'allais plus près, ouais. Tiens. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des ennemis améliorés. Ah non, bah, speed boost, bah non, en fait. Oh, what the fuck, la vitesse. C'est mort. Je l'ai même pas vu arriver. Non mais il a couru. C'est trop dur en vrai. C'est infâme. J'ai la bleue, go la bleue. Ouais. Il en faut 8, on en aura jamais, c'est pas possible, c'est trop dur. Faut être chanceux sur les... Salut sur les Salut Pasquit. Je suis sur les bouts, non mais c'est dramatique quand même. Conduire et supply, bon c'est pas mal. J'espère que ça va. Faut pas être épileptique. Ah oui, là faut pas être épileptique. Hein. Et encore, j'enregistre en qualité dégueu là. Enfin, vous voyez pas comme nous on voit en fait. Vous voyez de qualité un petit peu plus dégueulasse, donc ça vous fait des buts de pixels, je suis désolé, mais sur ce jeu je peux pas avoir mieux que ça. Ah mais il va trop vite. Regarde, mais... Il va trop vite, si je lui fais passer de dégâts. Non mais mec c'est bon, on pourra jamais le faire. Je fais pas de dégâts. Ils sont où les gens avec nous? Ils sont pas là. On doit requitter encore là? On en a pas fait une seule quoi. Pas trop bouilli? Ok, ça va. Je sais que sur les VOD à certains moments, par exemple je regarde les vite fait les VOD voir la qualité sur Warframe parce que c'est vrai que sur le jeu, comme il y a beaucoup de particules et tout là. J'aimerais bien lui mettre des headshots à lui, ouais ok. Je regarde la qualité et des fois il y a pas mal de pixels qui se baladent là, c'est assez horrible à regarder. Là je te rassure mais moi je vois rien. Je vois absolument que dalle, je sais même pas où je suis, je sais même pas ce que je fais. J'ai lancé mon sort qui ne s'est pas lancé. Mais ça dans le... Ok bon ça va. Je vais mourir. C'est vrai qu'à ce niveau là c'est quand même assez il est où là? Moi j'arrive. Je fais pas de dégâts mec. Je
trop dur. C'est trop dur. Ouais, mec. Ouais. Bah, on peut pas, on peut pas. Genre cette semaine, on peut pas. Genre c'est pas possible. Je sais pas pourquoi je fais pas de dégâts, je comprends pas. Bah, tant pis. Mais ouais, assez frustrant là. Bah parce que c'est pas normal en fait. Normalement on est censé pouvoir le démonter tranquillement en fait, enfin, j'ai rien compris à la mission. Alors en gros pour t'expliquer, Pasquid, tu as des genres de piliers, enfin des genres de... comment on peut appeler ça? Genre de... comment on appelle ça? Des... oh merde, j'ai le mot au bout de la langue, j'arrive pas à le sortir. Talisman. Ouais, t'as des talismans, enfin, t'as des genres de piédestaux. Beacons. Des genres de piédestaux, ouais, des beacons, voilà, c'est ça que je cherchais, mais en français, mais beacons. T'as des beacons en fait. Ouais, j'arrive. Attends. Ah putain, je suis en train de faire un truc. Pardon. Attends. Ok, j'ai eu le temps. Il y a des beacons sur le terrain. Et en gros, le but c'est d'entourer des mobs à côté des beacons. T'as une clé. Cette clé va te permettre d'activer les beacons, ok, de chaque couleur. Et en fait, pour valider la mission, pour que la mission soit considérée comme, enfin, pour que tu gagnes, en vrai. Il faut que tu tues le gardien du beacon. Donc en gros, dès que tu appuies sur une clé, tu mets la clé dans le beacon va appeler un gardien, et il faut que tu tues le gardien avant qu'il arrive jusqu'à la beacon. Parce que s'il y arrive, il détruit le beacon, en fait. Voilà. Et là, normalement, c'est facile, en fait, c'est assez simple, mais là, on n'arrive pas à tuer les... on n'arrive pas à tuer les gardiens, et c'est embêtant, en fait. Voilà, c'est juste le problème, c'est qu'on n'arrive pas à tuer les gardiens. Ce qui fait que on perd un temps fou un peu. Et là le problème c'est que je sais pas ce qu'on va faire en vrai. Moi j'ai pas les armes en fait, je pense. Mais j'ai pas les armes non plus mec, mon laitoum c'est mon arme la plus puissante et je fais zéro dégâts en fait, donc je sais pas quoi faire d'autre. J'ai pas d'armes qui font des gros bursts de dégâts, moi j'ai. Donc là je pense qu'on est foutu et qu'il faut juste c'est la première fois que ça nous arrive. Cette semaine, dans le cul la balayette, hein, tant pis, hein, balayette, et puis terminé hein. Qu'on fasse. De toute façon, je sentais pas. C'était pas un taux forgé cette semaine. Ouais, moi aussi. Non, ouais, c'est. Je me suis sad. Extermination secondaire seulement. J'avoue. Secondaire seulement, c'est pas mal ça. Je vais prendre Volt par contre. Allez, ma dernière vidéo sur CK3, c'est ce qu'on a fait. Pardon, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Enfin, avant-hier. Je suis biberon du monde. Ça m'a bien fait rire ça. Du coup, je l'ai mis en titre de vidéo, ouais. C'est très drôle. Tu te mets en public, ouais. On fait la sortie du coup. Bah, je suis entre une exter, un sauvetage et un assassinat. Ok, let's go. En plus, l'assassinat c'est Raptor. Ok. Donc, ça va quoi. Je connais un monteur ou autre? Non, je connais pas un monteur, c'est moi qui fais les montages. Enfin, c'est moi qui aurais fait les montages en fait si mon logiciel de merde là faisait pas n'importe quoi, c'est moi qui fais les montages en fait. Mais le problème c'est que. Pas de montage quoi, pas de monteur, parce que mon logiciel bug en fait. Mon logiciel de montage fait de la merde et du coup je ne peux pas monter mes vidéos, mais sinon c'est moi qui le faisais en fait. Il y en avait. Donc, balayette quoi, comme on dit. Balayette. Non, je connais pas de monteur. Hein. Malheureusement. Après, sur CK3, ça dépend, tu veux faire quoi en vrai? Ça m'intéresse du coup. Je vais faire quoi, un genre de... comme un peu les let's play narratifs de... mec. Hein? T'as dit quoi? Il joue comme moi. Ah ouais? Protea avec le même skin et un nu-corps aussi. Quels étaient les... what was the odds? Ah bah... la frame est cool, le skin est joli et nu-corps c'est fort. Bon, un truc sur nos lives. Ah ouais, bah écoute mec. Mais pourquoi tu le fais pas toi-même en vrai, Pasquid? En vrai, c'est pas, ça va pas être si difficile en vrai. Ah putain, combien il y en a encore?
J'ai idée mais pas la technique. Ah. Ah oui, d'accord. Après moi, si t'as un logiciel de montage qui fonctionne, bien, let's go. Hein. En fait, le problème c'est que moi j'ai Premiere en fait, et le problème de Premiere c'est que quand tu mets des grosses vidéos, j'ai l'impression que bah ça fait de la merde en fait, ça te nique la qualité de ta vidéo déjà. Après c'est peut-être moi qui fais des mauvais réglages, mais tous les réglages que j'ai essayé, ça fait de la merde. C'est pour ça que j'ai plus de montage, sinon je ferais des best-of aussi. Surtout sur nos lives sur CK3, hein. Je mettrai pas toutes les VOD, je mettrai sur ma chaîne principale les best-of des lives, et sur la chaîne CJMTV, je mettrai les replays, tu vois. Comme sur Warframe par exemple, quand on joue avec Silcha. Là la VOD elle va partir directement. Warframe quoi, ce serait insane. Non mais genre je sais pas, des trucs, les trucs les plus intéressants. Genre un résumé, tu vois, plus qu'un résumé plutôt qu'un best-of en vrai. Sur Warframe c'est plutôt un résumé de ce qu'on a fait de la semaine, tu vois. Enfin du samedi quoi. Oh le résumé, insane. Toutes les semaines c'est la même chose. Toutes les semaines c'est Arconte. Hein. C'est vrai que là les VOD sur YouTube c'est Arconte et ensuite on commence par l'Arconte, ensuite on va. C'est ça. On va farmer un truc chiant. À la fin de la journée on a rien. Bah la dernière VOD là sur YouTube c'est Arconte. Fin du pass et relique. J'ai Sony Vegas. Ah. Parce que moi, première, ça marche pas. Donc peut-être que Vegas, ça peut marcher. Hein. Si ça fonctionne, mec, il y a moyen qu'on négocie un truc. Hein. Et moi, ça me permettrait de faire des best-of pendant mon temps libre. Le problème, c'est que mon temps libre, j'en ai pas vraiment, en fait, quand on y pense. Je travaille pas, mais genre, je passe ma vie à faire les lives, etc. et à faire les VOD, etc. Donc c'est vrai que ça paraît ridicule dit comme ça, mais c'est vrai en fait. Quand t'es créateur de contenu et que tu veux donner à fond dans le truc, t'as jamais le temps de rien d'autre, quoi. C'est horrible. Et imaginez, et je fais pas de montage, hein. Je vous laisse imaginer le merdier. Si je faisais le montage de toutes les vidéos en best-of, sachant que je fais des lives 4 ou 5 fois par semaine, selon les semaines, 4 heures de live à chaque fois, à des rushs, puis à monter. Quel enfer. C'est impossible en fait, tu peux pas tenir le rythme tout seul. Bref, ça pour dire que... Bien, parce que c'est vous. Bon, il fait quoi là, Michel? De toute façon, pas squit. Bon, allez, il m'a saoulé. Les monteurs, faudra tu les rémunères de toute façon, donc c'est un peu compliqué quoi. Parce que le mec fera passer gratuitement, hein, c'est sûr et certain. Hein. T'inquiète pas pour ça. Je m'inquiète pas. Il faut le prendre en compte, quoi. Merde. Bon, DSL, hein, le gameplay est pas palpitant, mais je joue à Supercard en même temps. Je suis obligé. On a dépensé des sous, donc il faut rentabiliser. Pourquoi j'ai pas d'énergie là? Ah oui, je suis passé à travers le rayon. Ah mais non, il y a énergie réduite, ok. Ok. The enemy is on high alert. The moment you enter the holding area, they'll trigger the execution sequence. Rescue the hostage before it finishes. Oh, le rôle de stream. Non mais avec Anton, je pense que tu peux t'arranger, mec. Moi je l'ai pas payé, il m'a pas fait payer, mais après je lui ai moi offert des trucs, tu vois. Je lui ai offert des jeux et tout, donc enfin on s'est arrangé quoi. Au début il l'a fait sans payer. Après ça dépend de lui aussi, hein. Lui s'il a pas envie, tu vois, tu peux pas le forcer, tu vois.
En fait, le problème, c'est... Et que c'est compliqué de... Nous, de rémunérer quelqu'un pour le faire. Mais on peut pas le faire nous-mêmes non plus. Du coup, on est Keblo. Donc, heureusement que... Anton a accepté de le faire... Gratos, entre guillemets, même s'il savait très bien que j'allais lui rendre au centuple, évidemment. Il savait pertinemment que j'allais pas ne rien lui donner, quoi. Donc... C'est pas par là, Jeff Manson, c'est par là-bas. Mais voilà. Après, il a déjà des bases, en vrai, donc... Enfin, il a déjà le mien, en fait. Donc, tu sais, il peut partir du mien et te faire un truc à peu près cool en partant du mien, donc il repart pas non plus de zéro. Après, si tu veux un truc DA précise, etc., ouais, là, ça va demander beaucoup plus de travail, et là, ouais, ça va être compliqué. Moi, c'était un truc vite fait, et... Enfin, il n'y avait pas vraiment beaucoup de travail, en vrai. Ça lui a pas pris longtemps de faire ça. Et toi, si tu veux un truc vraiment un peu plus poussé, c'est vrai que bon. Même s'il a pas de travail, je comprends qu'il a pas que ça à foutre non plus, quoi. Il préfère bosser sur son bouc ou un truc dans ce genre plutôt que de faire des trucs pour des streamers nuls. Là, je suis à la bourre, là. C'est moi qu'on attendait, comme d'hab. Oui. Peut-être. C'est des logiciels de montage en ligne si jamais tu veux try. Ouais, mais est-ce que c'est fiable en vrai? Parce que les logiciels de montage, j'en ai. Hein. Le problème n'est pas là. Moi, je veux un truc propre, tu vois. Un truc où on n'est pas limité, tu vois, par le logiciel. Par exemple, pour rien, tu peux te faire tout ce que tu voulais. Parce que pareil, je devais. Avec Anton, on doit discuter encore de plein de trucs là. Il faut qu'on fasse. Je voulais faire, tu sais, quand tu changes de scène, je voulais faire un genre de transition avec mon logo et tout, un animé. Donc ça, il faut que je lui en parle. Même s'il me le fait pas, qu'il me montre comment on fait. Parce que moi, je peux le faire, j'ai Photoshop, donc tout va bien. Il faut juste qu'il me montre. Il faut qu'on fasse des émotes, il faut qu'on fasse plein de trucs. Et j'ai pas une nouvelle en fait. Il m'a pas relancé, donc c'est qu'il a pas envie, tu vois. Toujours par exemple, c'est un logiciel de montage qui a été racheté par Microsoft. Ouais, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça marche, tu vois? Ouais, c'est juste pour mettre des transitions genre fondu au noir, machin. Ça m'intéresse pas, mais il faut des trucs plus complets. Si tu veux avoir un truc un rendu un peu cool, il faut mieux, tu vois. Heavy robotic signature detected. Lock and load. This may be difficult. The production facility is entirely automated. Ok. J'ai envie de savoir en vrai. Bon, on est tous là? Ouais. J'ai envie de savoir comment ça se code ce genre de truc en vrai. J'avoue que c'est un truc qui m'intrigue un peu. Vraiment, j'ai vraiment envie de voir le. Ouais, vraiment envie de voir le code source de ces trucs là en vrai. Ça m'intéresse. Ça doit être une usine à gaz. Oui, ça doit être un bordel monstre, mais. Assez curieux quand même. Assez curieux. C'est là où faut tirer dans les pattes, c'est ça là? Non. Pas celui-là? Faut le buter 3 fois. Ah oui, ok. Je me rappelais plus ce que c'était celui-là. Bah, c'est vraiment un truc que je fais jamais ça. Ah oui, allez, je me souviens, ok. Voilà, ça drop une clé et tu lâches la clé dans les tuyaux. Enfin, 3 fois dans le meilleur des cas, du coup. Ah ouais, 3 fois dans le meilleur des cas. Ah bah, la clé est tombée dedans direct, non? Ah non. Non. Il est où? Là-bas. Nice. Voilà, on peut y aller. Effectivement, c'était rapide. Un petit Legendary Core, je dis pas non en vérité. Hein. Oh, on le mériterait là. Par contre, je t'avoue que je sais pas ce qu'on va faire après par contre. Hein. En vrai... Bah 14h46. Fin de live.
C'est cool de jouer avec toi, mec. Bon après. Voilà. Non mais ouais, c'est vrai, no joke, là, il reste que des trucs chiants et tout, sachant qu'on a... On a à peine... on a quoi? On a une heure, même pas, ouais, deux, on a deux heures de jeu, là, encore, donc on n'a pas non plus... Oh là là. J'ai quand même de la portée, hein. Putain, mais... C'est bleu, là. Toujours pas de nouvelles d'artefacts, pas squid, là, parce que, bon... Je t'ai demandé déjà... Quand je t'ai demandé ce qu'on a joué mardi, mercredi qu'on a joué. J'ai demandé à Jérôme si c'était bien passé et il m'a dit je sais pas, c'est plus moi qui m'en occupe des entretiens. Ah. Ah. Voilà, j'ai essayé d'avoir des infos mais ah. Pas réussi. Pas le plus motivé, comment ça? Non, c'est juste qu'il y a... il connaît le mec qui travaille là-bas, mais apparemment c'est plus lui qui s'en occupe. Mais t'avais pas vu un autre mec, Sicha, là, qui t'avait dit que c'était pas trop mal et tout, là? Hein? Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Il a dit que c'était plus lui qui s'occupait des... Il a demandé à un de ses collègues... J'ai demandé à Jérôme si, comment ça s'appelle, si ton entretien c'était bien et tout, et il m'a dit qu'il en savait rien vu que c'est plus lui qui s'occupe des entretiens. Et Caro, je la connais pas, donc donc ça ferait un peu bizarre si j'avais lui demandé, quoi. Ouais. Essaie d'envoyer un mail au pire, parce que ouais. Ça fait combien de temps là que t'as fait l'entretien? Ça fait bien une semaine là. J'ai eu Caro là pour Guillaume. Ouais, c'est... ouais. Mais il connaît pas la meuf là. T'es une prog IA. Attends, mais t'as postulé pour quoi? Du coup, c'est... il a postulé pour un gameplay, on est d'accord? Pas pour un... Pas pour un... comment ça s'appelle? Pour un IA? Pas quand même. Que si, mais... Non, mais ça devait être elle qui fait passer tous les tests techniques. Gameplay, ouais, ok. J'attends deux semaines pour être sûr. Ouais, non, mais c'est ce que je... C'est ce que j'avais... De toute façon, tu dois le savoir mieux que moi. C'est ce que j'allais dire, attends deux semaines, et une fois que deux semaines est passée, tu envoies un message en mode bon bah ça fait deux semaines les gars, au moins tenez-nous au courant des petites nouvelles quoi. S'ils te répondent pas, bah paniquez-vous hein. À un moment donné, bon. Après ils ont peut-être déjà embauché quelqu'un. J'ai 1647 void précise là. Sur 1650. Ça flex. Je flex, ouais, je flex. Je flex de ouf. Comment ça, cette new item found? Ah, il est peut-être bien, ouais. Ah, oui, c'est vrai, bah oui. Bon, ouais. Ah, c'est pas Squid qui m'a mis. J'avais pas vu. Résumé d'offre. C'est quoi ça? Ah, ok. C'est quoi? C'est le. Stock gratuit, ouais. Ah, ouais, filtre et effet gratuit, ok. Marque unique. Regarde de contenu. Ah, et c'est quoi ça? C'est le truc de... que tu me parlais de Microsoft pas Squid là? J'essaierai ça, ouais. Je peux faire mes best-of avec ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait, Sichel, en vrai? Bonne question, je vais te demander. J'en ai aucune idée, en vrai. Hein. Putain, c'est vrai que c'est chaud, là. Là, le jeu, il commence à être un petit peu relou, là. C'est quoi? C'est quoi? C'est ton live, c'est toi qui décides. Ah, vas-y, va te faire foutre, mec. Putain, t'es vraiment un bâtard, hein. Oh le bâtard! Je regardais s'il n'y avait pas une défense en relique histoire de chill à mort. Ouais, je pense que c'est ça, parce que j'ai pas envie de faire des trucs de ouf là, putain. Mais il y en a pas. Ou alors? Ah, j'ai pas regardé. Il passe. Attends, il faut que je raffine de toute façon. Anyway.
Donc, je sais pas vraiment comment je vais faire parce que j'ai pas beaucoup de. Enfin, j'ai beaucoup de reliques, mais il n'y en a aucune qui valent le coup d'être affinées en fait. Donc, pourquoi mon overlay s'affiche pas là du logiciel là? Ça s'affiche pas là-dedans, c'est quand tu choisis une relique pour lancer une mission. Ah ouais? Putain, merde. Chier. Mais sauter 5, non. Mais sauter 1, non. Y a Meso ou Néo. Meso ou Néo? En défense, ouais. Alors, je vais voir ce que j'ai en vrai. Oh, sinon, y a Requiem. On peut faire des reliques Requiem, ouais, mais ça ne sert plus à rien. Niveau 160, 170. Bah si, y a les sœurs. Ouais. Ouais. Bon, Requiem alors. Va falloir les faire. Hein. Non mais enfin, je sais pas, niveau 160, 170. C'est chill ça ou pas? Non, c'est pas chill, mec. On a dit chill là. Ah bah On n'a pas Meso des alors. armes, on n'a pas des armes qui nous servent, qu'on n'a pas encore là, qu'on n'a pas. Oh, si si, y en a, y en a. Genre le Rail Jack. Putain, mais j'ai pas envie de Sinon faire y a. ça. Comment s'appelle? Zariman. Non mais Zariman, c'est pareil, c'est un enfer. Ah sinon il y a du 3% de chance en Sanctuaire Elite. En vrai, Sanctuarite, est-ce que c'est pas chill en vrai? Ah si on peut monter des armes en plus. Moi, je pense Sanctuarite, c'est le bon plan. Hein. Je prends Volt et let's go. Hein. Vas-y, on fait ça. Oh oui. Vas-y, ça c'est bien ça. Bonne idée. Du coup Il est tu où me mon carries tout couvain? ça. Hein. Ouais, vas-y, vas-y, je carry. Alors, je sais pas si on va pouvoir faire beaucoup de vagues, étant donné que. Je peux pouvoir faire 4 vagues, je pense. 4, 6 vagues peut-être? Il faut faire 8 vagues en fait, je crois. Ouais. Je sais pas si je peux faire les 8 vagues tout seul en fait, vraiment. Essaie de prendre un Crois truc qui fait un peu de dégâts. Non pas. mais Ouais. pas forcément une frame, mais prends une arme qui fait pas mal de dégâts hein, quand même pour m'aider. Parce que je suis pas sûr de faire 8 vagues en fait solo. On y va à Oui, 2 bah ou de on toute y va à façon, ouais. 4? Ouais. À 4 non? Ouais, 4. Ouais. Clip Champ. Bah, j'irai voir Clip Champ là. Elix Sanctuary. J'ai quoi comme arme là? Bubonico, Braque. Ok. J'irai voir Clipchamp là. J'irai voir pour le DL et essayer de faire des montages dessus, voir ce que ça donne. Et comme ça permettrait d'avoir des. Bon là, le problème c'est que les best-of, on l'a un peu dans le cul. Parce que j'ai plus les VOD quasiment. Donc. Mais on fera des best-of à partir de l'année prochaine, je pense. On va essayer en janvier d'essayer de faire des best-of sur la chaîne principale pour essayer de la. Tester. Ouais, j'essaie de tester, ouais. Je prendrai pas labo parce que voilà, mais si jamais vraiment ça marche bien et que je prendrai l'abonnement, mais pour l'instant. Pour l'instant, on va se contenter de la version gratos pour l'instant. Je me dis que ça marche bien. Je crois qu'il y a un deuxième Volt, non? Quelque chose comme ça. No. Et le Oh, mirage. Mirage. Mirage, c'est bien aussi, hein. En voyant Sanctuary Elite, hein. C'est quoi qu'on cherche? Le lato, c'est ça? C'est le lato, non? Plateau et Braton. Que le breton, je l'ai déjà. Pas sûr, Il me ouais. semble qu'on avait regardé et que non. Ouais, ah non. La compte de la merde. Bubonico. Ah, là c'est chill, là. C'est toi qui passais devant moi là. Pardon, ça va. Putain, j'ai même plus joué au jeu, quoi. Tu m'insultes quand je le fais. Oh. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi la console elle est Je sais pas. activée? Je sais pas, je sais pas. Ah, Mirage, c'est fort, hein. Aussi, hein. J'ai monté le Mirage, d'ailleurs, pour le Sanctuary au cas où. Mais Volt, je trouve ça plus pratique, en vrai. Juste à faire 4 et c'est bon. C'est gagné.
Ah ouais. Ouais, Volt is the new Banshee, quoi. Ouais. Alors que Baruch, faut jouer, quoi. Ouais, t'as peut-être pu prendre une frame pour XP en vérité. Hein. Ah, mais j'ai XP toutes mes frames, moi, déjà. D'accord. Et là, j'économise les formats. Donc. Ouais, faut qu'on fasse les sœurs, un jour on fera ça. Ah, mais il faut aussi faire du. Comment ça s'appelle? Du? Proxima là. Des reliques en Proxima. Ouais, pour faire des holoclés. Ouais. Enfin, des holoclés pour avoir. Enfin, pour aller acheter les. Des holoclés pour acheter le merdier, ouais. Des armes, ouais. Je sais bien, je sais bien. Plein de trucs qui m'enchantent de ouf, mais bon. Et comment on va là? Oh, un truc. Ça va? Ouais. Ok. Oh, elle va faire des dégâts la Banshee là avec tous les consommables qu'il y a par terre. Mirage. Mirage, pardon. En smith de fougue. Attends, ça on va l'ouvrir en fait. On peut pas l'ouvrir. Ok, mais bon. Pourquoi on est en lockdown là, je crois, on va. Pim, 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 pim. Beaucoup d'eximus là par contre. Ah, oh, mais c'est trop bien, c'est comme une sacrée dinguerie. Hein. Le bouboni dans le battle pass. Dans le battle pass, dès que t'as tué 100 eximus en mission hebdomadaire, tu fais 8 petites vagues et puis c'est fini. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. That's true. It's damn true. Attack us, we will counter. Attack us, we will counter. Ah merde, il m'a disable mon ability. Pardon, je l'ai trop utilisé. Excuse-moi. Pardon. Trop bien. Et pour aller faire des photos. Ah bah j'ai hâte. Faire combien? 8? Ouais. Je vais te redemander surtout sûrement plus tard mais. Ah là, il est parti. Ah bah les deux sont partis, ok, on est tout seul. On est que tous les deux en amoureux. Yahoo. C'est pas génial. J'ai toujours rêvé de te retrouver en face à face avec moi. Je sens que tu me délaisses pour ton jeu de cartes. Donc Quoi? Bah non, j'appuie sur 4 quoi. Qu'est-ce que je fasse de plus? Bon, peut-être un peu en vrai. C'est vrai que. Qu'est-ce que je fasse d'autre, mec? Genre, j'appuie sur 4 et c'est tout, hein. Je profite de jouer au jeu de cartes, je profite justement d'avoir un sanctuaire élite pour faire ça, mais. Enfin, je vois pas ce que je peux faire de plus, quoi.
Parce qu'on aime, on a envie d'avoir les cartes événements du jeu, quoi. Donc on a mis des crédits, donc j'ai pas envie de perdre mes crédits, tu vois. Ouais, c'est que le samedi, c'est le seul jour où on peut jouer à Warframe ensemble, donc. Mais je pensais qu'on allait pas galérer à la reconte et tout, là, qu'on allait faire des trucs, mais au final, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Enfin, si, mais que des trucs relous, quoi. Que des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Ah, il m'a bloqué mon ability parce que j'utilise trop. On me bride. On n'est que zone 4, hein. Ça se joue pas Banshee dans ce mode de jeu? Banshee, je sais pas. J'en vois pas ça beaucoup. Fait pas hein. J'en vois pas beaucoup, hein. Je vois beaucoup de mirages, beaucoup de volts, mais des Banshee, tard, ouais. Non, ça fait pas de dégâts. À un moment donné, il y a. À un moment donné, ça fait. En termes de dégâts, je pense que c'est limité en vrai. Ouais, ça se trouve, c'est très fort, hein, mais. Est-ce qu'il y a d'autres qui font des dégâts sans avoir besoin de viser là? Enfin, en très grande zone, sans trop se forcer. Equinox? C'est vrai, Equinox. Sarine. Sarine, ouais. Ouais, je crois qu'il faut jouer avec Sarine. Sarine, c'est fort, hein. Ouais, je pense que Sarine, c'est très fort. En sanctuarite, Volt Sarine, c'est quand même incroyable hein, comme duo. Hein. On va pas se mentir, c'est quand même un peu insane. Hein. Alors, j'attends d'utiliser mon 4 parce que là, je l'utilisais trop souvent. Moi, t'inquiète, t'inquiète. Donc, on va attendre un petit peu histoire de qu'il nous le bloque pas. C'est vrai qu'il y a Sarine. Ouais, je revois d'ailleurs les tous les builds de toutes mes frames là parce que. Voir si tout est bien à jour. S'il faut pas que je formate des frames pour pouvoir les mettre un petit peu mieux. Faudra que je regarde ça. La moitié de mes frames sur lesquels il faudra que tu mettes des formats au bras. Le cooldown de mon 4 est buggé quoi. Lit H5. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne savais pas. Hop. Oh, j'avais jamais vu cette arène là. Moi non plus. First time ever. Elle est toute plate là, tu te fais bien tirer dans tous les sens, c'est vraiment génial. Ah, moi j'adore. Je crois que c'est là que ça commence à devenir un peu chaud là. Je crois que c'est là que ça commence à devenir un peu dur là. Ouais, tant qu'on fait des dégâts avec le Buponico. Ça va. Que 5000 parce que la map est trop grande. Par contre, je vais avec de vitesse là, c'est scandaleux. Hein. Je glisse tellement je vais vite. Il
Y'a pas de mob, je trouve. Bah oui, je laisse pas arriver. Vrai. Ah. Je pense. Non. Je spam pas en plus, hein. Je peux pas spammer de toute façon, donc sinon il bloque, donc je spam pas. C'est juste que la map est plus. La map est trop grande. Ouais, la map est trop grande, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il fait que les mobs ils arrivent, mais ils mettent 1000 ans à arriver sur nous, donc du coup. Attends un petit peu, Arne. J'attends un peu avant d'utiliser mon. Voilà, maintenant, let's go. Ça, ça commence à devenir chaud. Ah, tu vois, le compteur il monte pas, hein, le compte du truc là. Ouais, c'est juste qu'ils sont cons, ils essaient de nous chuter de loin en fait. Je vais mourir. Quoi? Et c'est bon. J'ai plus de vie. En fait, c'est mon ulti qui permet de me garder en vie en vrai. Mon ulti permet de. Quand je touche des ennemis, ça me régène mon bouclier. D'accord. Donc, si j'ai pas mon ulti actif, j'ai pas de bouclier du coup. Enfin, très peu quoi. Allonge accru, ça doit être pas mal sur sur Volt. Pas allonge accru. Ouais, allonge arconte. Je l'ai, je l'ai. C'est pas aussi une scène que ça n'y paraît, mais c'est quand même pas mal. Ah, c'est clair, on arrive à une efficiency dégueu là. Parce que je tue pas assez de mobs, pas assez vite. Je vois rien sur cette map, c'est tout noir. Oh là là, alors là par contre faut pas être épileptique les amis. Hein. Et il se passe des choses là. Hein. Ah, là tu vois ça change, hein. Ça change tout. Hein. La map elle change tout là. La map est beaucoup plus petite donc forcément... On tue les mobs de manière beaucoup plus rapide, parce qu'ils sont tous groupés. Tu fais des dégâts insane mec en vrai. Hein. Ouais. Et à 47% que tu tabasses en vrai. Hein. Ah oui mais enfin avec Baruch je vais jusqu'à vague 8 tranquille. Hein. Non, oui. Enfin ça dépend les maps. Il y a des maps où enfin, c'est trop merdique et j'y arrive pas. Bah la map d'avant par exemple, bon, c'est chaud hein. On est à 68% de définition. Hein. Pas pour rien, hein. La map est horrible hein. Ouais. Ah, sinon c'est Fortea Scuva. Enfin les maps Fortea Scuva aussi c'est pas mal la merde. Vu que toi ton outil traverse les murs. Oui. Bah pas mes coups de poing. Ouais. Donc J'adore quand... Merde, je suis tombé. Ah non, je tombe en boucle. Ah non, je tombe en boucle. C'est bon. J'adore quand je lance mon ulti, qu'il y a tout plein d'éclairs partout là. Oh merde. Ah, toi aussi tu tombes en boucle. Non, j'ai oublié d'appuyer sur 2 et 3. Ah. Du coup j'ai plus de sang froid, du coup bah je peux plus utiliser mon ulti. Mesopédis. A chier ça non? Mesopédis. Fantasma canon, on l'a déjà. Ouais on a déjà Fantasma de toute façon, en complet. Il te manque peut-être sous là. Ouais, qu'il manque des trucs. Hein. Il manque la blade. C'est même pas du gold, c'est de l'argent. Ouais, mais on a pas de chance. Mec. On a pas de reliques aussi. On a eu du bronze la dernière fois. Bien, on a fait des reliques. C'est la dernière VOD. J'en souviens très bien, moi. Mec.
un midi cette semaine, j'ai été ouvrir une relique en néo. Ouais. Et le gars, il a balancé cette relique là. Et il a eu le gold. D'accord. Et j'ai jamais été aussi dégoûté d'avoir un gold. Ouais, c'est étonnant. Tu m'étonnes, Simone. Il fait quoi, lui? Il est au corps à corps, le type, là. C'est qu'on était copains ou quoi? Voilà, tant que le bubo Nico démonte les mecs, tant que ça les tue, c'est qu'on est au niveau cool. Dès que le bubo Nico va commencer à pas faire de dégâts, c'est là qu'il va falloir s'inquiéter. Il y a beaucoup de mecs là-bas en vrai, j'ai l'impression. Plus que ici. Non mais ça arrive par vague. Braque 37, manque plus qu'un niveau, on sera bon. On va le prendre là et après au prochain on va le format et on aura fini les armes Kuba, les amis. Ah, il me reste quelques-unes. Hein. Moi je l'ai fini, il manquera plus qu'à aller chercher les sisters et on est bon. Allez, c'est le la Yanga, Kuba c'est mon arme la plus jouée en arc fusil. Sérieux? À 50%. What the fuck? Tellement j'aime pas cette arme, je fais pas de dégâts avec et du coup j'XP pas. Ah oui, d'accord. Oh, c'est des corpus. Corpus électricité, c'est pas. Ils aiment pas trop ça. J'aime pas cette map aussi, elle est horrible. Ah, dès qu'on peut tomber, moi j'aime pas. Incroyable! Hop. Ok. Dernière vague du coup après. Bon, espérons qu'on le tombe dessus. Hein. C'est combien de pourcentage pardon? 3%. 3%. Non mais quel enfer. Et 4 parties à avoir. 51 000 de focus. Ok. 4 parties à avoir à 3%. Nice. J'aime. J'aime la vie. Ton odeur, tous tes gestes en douceur, sensualité. Ah merde! Merde. Brave. On va trop vite. Ah, tu peux cancel. Hein. On va enlever le lockdown, rien. Hop. On est plus lockdown. Super. Ça sert à rien, mais on l'est plus. Ah, moi, tous ces éclairs partout là. Ça dégoûte. Il y avait un gros tas d'ennemis. J'ai sauté dedans. Et en plein vol, ils se sont tous fait électrocuter. Ah, j'aime ce que tu proposes, j'aime ce que tu me dis, ce que tu me décris, j'aime. La déchéance et le désespoir, j'adore. Là, je m'attendais à avoir des gros chiffres de partout. Mais... Et non, non. Non. T'as eu des petits éclairs à la place. Chiant avec leur match. Allez, go! Merde. On se casse, hein? Ouais, ouais. Et on recommence. J'espère que vous allez bien sur la CJM Télévision et que vous passez un excellent moment, lol. Vous aussi sur YouTube, hein? Magnifique VOD. 2h30 de Sanctuary Elite sans rien trouver.
Ça va finir comme ça, hein. C'est... Bah évidemment que ça va finir comme ça, mec, on le sait tous, hein. Oh. Évidemment que ça va finir comme ça, putain, on le sait tous que ça va finir comme ça. OMG, waouh, mais regardez, 155 000 de focus en une seule mission, incroyable. 159, ouais. Un peu de crédit. Une super scène de Captura. On va aller pouvoir faire des super photos avec la, la scène Captura, en vrai, je suis refait. Hein. En vrai, la scène Captura... On l'a déjà 20 fois, celle-là. Genre, c'est vraiment le must-have, quoi. J'ai envie de dire. Là, je crois qu'il faut que je mette un 10, je crois. Si mes souvenirs sont bons, il fallait que je mette un 10. Hop, voilà, parfait. Oh, putain, le Kraken n'a même pas monté niveau max. Ah, moi, ça y est, hein. Le bras qui va être monté niveau max, là. Le braque, c'était bien comme arme. Les premiers niveaux sont horribles. Et une fois que, dès que tu commences à avoir quelques modes là, c'est pas mal. Mais c'est le Kraken. Le Kraken, ça pue la merde. Kraken pue la merde. Ouais, ça sent le pâté en gros. Comment ça s'appelle, c'est pas rigolo, Baruch, faut trop jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Et prends, prends Sarine. Ma Sarine n'est pas montée, je l'ai jamais joué. T'as Volt ou pas? J'ai un Volt. Est-ce que ton Volt est monté? On sait rien du tout. Putain, mec, tu fais pas d'effort. Hein. J'ai zéro format. Ok, nice. Je vais garder Volt, hein. D'accord. Ouais. C'est pas marrant, il a dit. Je répète, hein. C'est pas marrant, Baruch, faut trop jouer. Prends Mirage. Ah, attends, j'ai un Equinox. Enfin... Ah, mais non, mais... Quoi? Mon Equinox est pas monté en puissance. Oh, mais quoi tu sers, bordel? Il est monté en duration, enfin... Pourquoi en duration? Pour farmer le focus avec le silence. Enfin, j'endors tout le monde et je vais buter, et je les bute chuchu. C'est vrai qu'en sanctuarite, c'est vraiment cool. Ah oui, c'est pour l'externe. Octavia? Peut-être? Octavia, ouais. Octavia. Bah, c'est fort, Octavia. Ouais, ouais. Je me Kraken. Sinon, Frost en vrai, lol. Utile, hein. Ember, en vrai. Mieux. Non, faut jouer maintenant avec Ember. Ah, faut jouer maintenant? Merde. Ah ouais, trop dur. Faut pas juste appuyer sur un bouton, là? Ah si, mais plein de fois. C'est avant t'appuyer sur un bouton et c'était tout. C'est bon, t'avais fini. Volt, quoi. Finalement. Non, mais c'est maintenant que c'est comme Volt. Salut à toi. Faut appuyer de temps en temps. J'espère que ça va, bienvenue sur CJMTV. Ouais, bah ouais. Volt, c'est bien. T'as juste à appuyer une fois et c'est bon. Hein. Milieu de la pièce, là, t'es tranquille, hein. Ivara. Comment ça, Ivara? Mais Ivara, faut jouer. Ivara, faut jouer, hein. Y'a pas de solution, oui. Là. Ah, Octavia. Tiens. Octavia, ça va être bien. J'y crois. Ça, ta musique est pas trop chiante. T'as changé ta musique de merde, là. C'est bien. Non, l'autre bouffonne, regarde sa musique de merde, là. Ah, mais y'a deux Octavia? Ouais. Oh non, mais non, je vais péter un fond, là. C'est horrible. On... T'as pas le même genre musical. Éloigne-toi de moi. Donc il faut jouer. Bah il faut plus jouer que Volt là. Regarde mon gameplay, Volt il est incroyable, regarde. Ah bien. Voilà. Fini. C'est tout. Je fais juste ça pour pas qu'il me kick et qu'il me compte les récompenses, mais en gros je fais que juste ça. J'espace un petit peu, surtout les premiers niveaux. Bon tu one shot même avec le Bobonico, bon t'es en mode voilà. Donc ouais le gameplay Volt c'est. Oui, c'est pas Ivara quoi. Ivara, elle a pas de sort qui fait que tu fais des dégâts tout seul sans jouer, d'accord. Moi je joue Ivara en navigation là, avec le Deiku. C'est très fort mais t'es obligé de jouer quoi. Mirage je préfère. Ouais Mirage aussi, Mirage c'est très fort, hein. On en parlait tout à l'heure justement. J'avais monté une Mirage en plus. Ah oui, mais je te l'ai dit en plus, prends Mirage, tu m'as pris Octavia. Ah ouais? Bah oui. J'ai dit Mirage et t'as pas répondu. Je devais déjà avoir choisi Octavia dans ce cas-là. Mais ouais, Mirage, c'est bien.
Mirage aussi c'est bien. De toute façon en sanctuary hit c'est normalement c'est soit tu prends vol soit tu prends mirage de toute façon. Ah, un Banshee me manque quoi, c'était si bien. Un Banshee c'était la pire hein, je crois. Ah mais Banshee mais enfin. Quand il n'y avait pas 4, encore le. Comment ça s'appelle ? Ouais voilà. Quand il n'y avait pas encore Sanctuary Elite là, tu l'as joué sur l'interception sur Eris. Ouais trop bien. Ça tu te mettais à un endroit, t'avais tout, tu pouvais protéger les 4 points en même temps. Trop bien. Ouais, Sarine aussi, mais il a pas de Sarine montée. C'est Sisha qui casse les couilles, hein. Moi, NP, hein. Moi, j'ai pas de Warframe. Enfin, moi, j'ai pas de Warframe de feignant. Il a pas de Sarine, il a pas de Volt, il a pas de. Il a une Mirage, on est pas sûr. Son Equinox, elle est montée en Farm Focus, c'est-à-dire qu'il est en duration. Oui, il a une Mirage, on l'a jamais vu. C'est vrai qu'on a jamais vu ta Mirage, en vrai. Ça, c'est vrai. C'est une bonne raison, hein. Mais c'est vrai que Sarine, c'est fort, ouais. Mais à l'époque, ma Mirage, moi, je jouais pour les XTR. Tu sais, avec Ignis et les trois premiers spells. Non, le 1 et le 3. Donc, c'est que ça. Mirage, on l'a joué avec le Simlor Sinoïde à l'époque. Ah oui, je m'en souviens de ça. Bah, c'était après, quand ils ont nerf le Simlor. J'ai joué Ignis. Le Mirage Sinoïde Simlor, c'était quand même une dinguerie, hein. T'avais 1 milliard de petits kills, hein. Ça c'est un kiff pour les volts, hein. Quand t'as plein de trucs, regardez-moi ça, regarde ça. Oh là là, oh là là. Les éclairs et tout là. Regardez-moi ça. Non. Je meurs. Au secours. Mais attends, mais j'ai bon Nico, je crois. Hop là. Oh ça joue quoi? C'est quoi ça? Oh c'est Wukong. Putain lui il a un pseudo les amis. J'ai pas envie d'être condescendant mais bon. Quand tu t'appelles Blade Master Anime Fan. Ça regarde Bleach quoi. C'est compliqué. Il était dans la glace le machin. C'était in the ice. Regarde. Nom d'Eximus, putain. Et que ça, limite. Autant que j'ai pas mis un petit coup de 4, là. Let's go. Bam. Il a ses couilles avec son clébard à mourir, lui, là. Nice. Putain, je l'avais pas. On va faire des très belles photos là. Je suis assez content. Assez content de ce qui se passe ici les amis. C'est quoi? Oh et Corpus c'est mes amis. Corpus électricité, voilà. On connaît. We know. Bam bam bam. Je suis à 2 à l'heure là. Mais. Ah, nice, ils sont barrés. Oui, on va être que deux de toute façon. On va être que deux. À chaque fois, les mecs ils font 2 vagues, ils se barrent tout le temps. Je sais pas ce qu'ils cherchent, mais peut-être qu'ils augmentent leur focus ou ils équipent des armes, je sais pas. 25 000, c'est mal en vrai, 25 000. Mais c'est ça. J'ai pas lentille de focus sur, sur cette frame. Dommage hein. Ouais, tant pis.
pas trop spammer non plus parce que sinon il va me la bloquer l'autre là. Le mec pas marrant là. Il est vénère parce que je suis meilleur que ces trucs là. Par contre le bullet time du Bobo Nico c'est quand même dramatique. Il y a un genre de petit tic. Quand il n'y a plus de balles dans le Bobo Nico. Il est en même temps satisfaisant et en même temps il trigger. Je sais pas comment expliquer. J'espère que vous vous régalez. Hein. Nous, on est aux anges là. On adore ce qui se passe. Hein. Allez, encore plus encore. Aïe aïe aïe. Ah, la map, elle est incroyable par contre. Elle, hein. Octavien en Tetris pour casser des briques. Comment ça? Oh, je fais pas de dégâts. Vous voyez, je fais pas de dégâts. Dramatique. Mais ça fait mal, Octavia. Oui, ça fait mal, Octavia. C'est juste chiant parce que ça fait tout le temps de la musique de merde, mais... Octavia, c'est très très fort, ouais. Bah en fait, c'est top tier pour les style pass, là. Les défenses ou les survies style pass pour avoir des... Les arcanes, les mecs jouent que Octavia. En style pass. Ah ouais. Ils mettent invisible, ouais, et ils jouent que ça. Et ils jouent, c'est en passif, hein. Ils jouent pas, les mecs. Moi, hein. J'ai du mal à me mettre invisible. Ah, c'était con aussi, mec. Je comprends pas le timing. Bah, c'est sur ton beat. Pas sur ta beat, hein. Sur ton beat. Simon, c'est terrible, ça, j'avais été fort. Ah. Il faut être en rythme avec le beat. Ouais, faut être en rythme avec le beat, bah oui. C'est le principe d'Octavia en fait, c'est d'être en rythme avec la musique quand tu fais des actions. Faut que je t'apprenne le perso ou... Ah mais attends, il est à toi ? Ce putain de clébar qui fait que mourir ? Ouais ! Putain, je dis c'est un random qui a ça, mais non ! Tu pourrais le changer d'ailleurs, il est niveau 30. C'est toi là, qui a ce putain de chien qui meurt tout le temps. Avec les anneaux au sol. Le vrai c'est que les anneaux sort, regarde, ils bougent pas pour moi. Donc il faut que je suive le beat. Ah, pourquoi il bouge pas? Ouais, c'est bugué. Donc il faut suivre la caisse claire, quoi. Les anneaux sol, ils suivent le beat de toute façon, en tous les cas. Ils suivent la mélodie. Non. Les anneaux sol, non. Si, les anneaux sol, c'est la mélodie. Bah non. Je suis le boom. Ah, la caisse quoi. Je suis la batterie en gros. Ça fonctionne. Je vais me mettre invisible à chaque fois. C'est de la chance peut-être, mais. Oui, c'est de la chance. C'est pas la batterie. Où est-ce que t'es? Bah si, mec, hein. Désolé, hein. Navré de te le dire, mais bon. Tu verras sur mon live, dès que je suis plus invisible, tu mettras un œil, mais je suis des BPM, quoi. Par contre, les anneaux fixes, il y a un côté stylé, quand même. C'est la pire map, hein, on le sait. D'énergie. Ah, je peux pas t'en donner parce que j'ai pas. J'ai pas un haut. Oh, il doit y avoir des orbes qui partent par là.
Il y a des orbes, mais il y a sûrement des, surtout des... plein d'élites en vrai. J'adore faire ça. Tu fais mon 4? Au 4, ça augmente les dégâts, je crois. Et ça fait des dégâts. Ok. Il me semble que ça augmente les dégâts des alliés, et, enfin de ceux qui sont dedans. Et ça fait des dégâts. Je vais j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien, je dis ça, mais j'en sais rien. Capte l'énergie des décibels de son environnement afin d'amplifier les dégâts des armes d'Octavia et de ses alliés. Voilà. D'amplifier les dégâts de la portée des maillets proches. Ok. Là, ok. Ça booste. Regardez-moi ce délire là. Et là, attends. Oh, cette map elle est catastrophique à chaque fois. Hein. À chaque fois on descend sous les 60%. C'est dramatique. Hein. Je sais pas pourquoi on descend en dessous là, parce qu'on tue pas assez de mobs, parce qu'ils sont tous éparpillés dans tous les sens. Ça serait pas arrivé avec une Mirage. Ouais. Plutôt qu'une Octavia là. Enfin, un boucan du diable, fait pas de dégâts. Bah 39%, ça va. Ah ouais. T'es pas ridicule en vrai, mec, en vrai. Pour une Octavia avec, je sais pas quoi. Bah c'est à chier, mais je veux dire, bon. On a eu des randoms qui étaient bien pires que ça. Ah mais Octavia n'est même pas montée, hein. Enfin, je pense mais, à la grande max de tu format. Trolls. Mais tu trolls, mec, c'est fou. Ça ne m'intéresse pas ces frames où faut pas jouer. Juste oui. En sanctuary, c'est pratique. Pratique en vrai. Moi j'aime trop. Moi. Ça te permet de pouvoir faire d'autres trucs. Comme par exemple jouer à un jeu mobile à la con. 31 000, voilà, là on s'y retrouve là. Viens là. Ah non, je vais être invisible. Viens. Ah, j'ai peur. C'est tranquille. Au pire Vauban. Au pire Vauban. Mais Vauban c'est. Ça fait pas de dégâts. Enfin ça fait pas beaucoup de dégâts quoi. C'est-à-dire quitte à monter à une frame où tu branles rien. Quasiment que tu fais des dégâts. Autant monter une sarine, un volt, une mirage quoi. Tu vas pas monter un Vauban. Enfin, je sais pas. Ça me viendrait pas à l'esprit en vrai de monter à Vauban pour faire des dégâts moi. Non mais en vrai Wisp hein. Wisp avec le 3. Mais Wisp en vrai ouais hein. Wisp Nucor. Wisp c'est pas mal hein. Faut la build dégâts mais Wisp pourquoi pas hein. Et pourtant non mais oui non mais en soi toutes les frames peuvent faire des dégâts mais je veux dire c'est que c'est pas quand même la plus opti. Quoi que tu fasses Wisp elle t'empêchera de crever et tu feras des dégâts monstres. Oui, ça prend un nerf sur les fleurs, ouais, ça m'étonne pas, c'est un peu fort. Hein. C'est un peu trop fort en fait. Sur les fleurs? Ouais, sur les pods. Ah, sur les pods. Ah merde. Ah, bah alors? Ouais, je sais pas, j'ai dû stacker dans un truc. Je disais le chat. Ah, Braton Vandal! Eh ben alors? Mais c'est pas la partie que j'ai déjà 3 fois ça? Bah, je crois que si, hein. Merde, faut monter. Ils vont bloquer à 150% parce que ça allait au-delà de base. J'avoue que j'ai pas le détail, hein, j'en sais rien. Je pose de vraies questions. 150% c'est déjà pas mal. Hein. Attends. 150% de puissance. Ouais, c'est ce qu'il a de dire. Ouais. Là, tu gagnes combien là en tout là? Tu fais combien le truc de le Wisp là? Et c'est 150% capé avec les c'était suivant la puissance. Ah d'accord, ok. C'était en fonction de ta puissance.
Et là, ça va être bloqué à 150% no matter what. Tu veux dire, il va y avoir un hard cap sur la puissance du, des. Enfin. Sur la puissance maximale donnée, quoi. Que vont recevoir les pods. Enfin, parce fait, que 150%, c'est insane, hein. Enfin, si c'est le pod qui te file 150%. Non, je pense que c'est la puissance donnée au pod. Ouais. Donc max 300%. Max 300%, on va dire, plus la mue augmentée. Et dit Atra. Ouais, c'est pas clair ce qu'il dit. On va devoir lire le patch. 100 compter le rugissement de Rhino. Oui, mais les 150% que tu parles là. C'est les 150% que tu donnes au pod ou les 150% que le pod donne. C'est pas pareil. Hein. Parce que les pods, la puissance des pods sont calculées par rapport à la puissance de ta Wisp. Donc est-ce que c'est par rapport à la puissance, c'est... Ah, t'as compris quoi. Ce que le pod donne. Ah donc ce que le pod donne est capé à 150%. Apparemment. C'est pas mal. Quand même. Oui, c'est pas mal. Est-ce que c'est un hard nerf? Non mais c'est max en fait. C'est ça qu'on veut dire. Alors qu'avant tu pouvais monter jusqu'à beaucoup plus. Enfin, là il y a marqué, il a dit 300% max du coup. Alors qu'avant tu pouvais monter à beaucoup plus. J'imagine. Mais c'est gigantesque déjà, 50% en vrai. Enfin quand on regarde. Ah. C'est insane en vrai. Le portail se ferme dans 19 secondes. Quoi? Hein? Ah non, mais j'ai un texte d'ATH qui est bugué. Nice. On a vraiment les meilleurs. Les meilleurs maps là. Ça fait plaisir. Les petits corpus là, ce serait cool. Ah voilà. Eh oui, c'est corpus la dernière. Corpus la dernière. Tu l'avais dit. Mais j'avais oublié que c'était les mêmes à chaque fois. Chaque semaine, ça change. Chaque semaine, ok. C'est-à-dire si t'as une rota de merde le lundi, t'auras la même rota de merde jusqu'à dimanche. Je suis mis invisible sans faire exprès, hein. On s'est mis invisible sans faire exprès, les amis, là. Beaucoup mieux là. Mais je suis capé normalement là, j'ai atteint mon cap, c'est obligatoire. Bon, c'est 350 000 ou 400 000 405 000. Dans 10% de dégâts. En vide est à 310% de puissance, élimine Rhino avec l'arcane de but augmenté et pour dire que tu t'envoles et les chargeurs vidés en 3 secondes. Mais voilà, mais fin. Monsieur, vous êtes bête aussi. Ah y'a, je descends chargeur en 3 secondes, ça sert à rien. Bah si, tu fais plus de dégâts en soi. En fait, tu fais plus de DPS. Tu gaspilles tes balles surtout. Pas plus de dégâts, mais plus de DPS en vrai. Moi j'ai préféré augmenter la range que qu'avoir 300% de dégâts, enfin de puissance quoi. Ah mais si t'es en solo t'en vas les couilles. Augmenter la range? Bah non. Non, justement la puissance justement. Ton bide là tu peux pas tu peux en solo. Après mec en puissance. Mais je me rappelle quand on faisait Wisp Arrow en Archonte, bon. Je tapais à une vitesse folle et c'était fort hein. Mais voilà, déjà moi là, enfin. Je trouvais que j'avais trop de vitesse, enfin. Sur ma Wisp. Ouah. Mais du coup, là t'as 310%, mais du coup. Attends, mais c'est la fin là, ouais. On rentre pas. Non. Donc là, on est d'accord que tu vas pas. Comme si, sur ce que t'as dit tout à l'heure là. On va pas pouvoir monter à plus de 150%.
Là t'as 310%, mais toi tu seras capé à 150. Du coup ton build, bah ouais, nerf, nerfed. Après on va pleurer, ouais, voilà c'est ça. Okay. Bah non, c'est juste que c'est nerf. Oh mais non, on va pas pleurer, ce sera toujours fort. Ça restera fort, mais ce sera juste moins abusif, je pense. Genre tu pourras moins exploiter le système, entre guillemets. Mais ça restera fort, je pense, mec. 150% de dégâts de puissance en plus, c'est gigantesque, en vrai. C'est gigantesque. Mais j'ai l'impression que les joueurs de Warframe, ils sont en mode, ils veulent tous être dans la démesure sans arrêt, tu sais. Genre, j'ai l'impression. Je fais combien de puissance sur ma Wisp? 256. T'es pas le premier à... Ouais, mais c'était mieux avant. Bah oui, mais bon. En fait, ils font ça pour la simple raison que ce soit pas abusif, pour pas que les joueurs ne jouent que ça. Sinon, ce serait... Sinon tu verrais des wisps dans tous les... Tu verrais que des wisps et tu jouerais que wisps tout le temps. Et puis personne ne jouerait autre chose. C'est ça que le problème d'avoir beaucoup de frames et d'avoir des frames avec des sœurs abusées. C'est juste que, ben, ils sont obligés de nerf pour que les gens jouent autre chose. Comme dans tous les MMO. Avec des classes précises, avec des personnages particuliers. Dofus c'est pareil, WoW c'est pareil, tout est pareil en fait, tous ces jeux là c'est pareil. Comme les, le nerf des dégâts explosifs etc, c'est la même chose. On est obligé de nerf les dégâts explosifs parce que tout le monde joue ça, les mecs jouent que ça même d'ailleurs. Et là, j'en vois beaucoup moins qu'ils jouent parce que ça t'énerve, donc du coup, ils jouent moins. Ils jouent moins. Il y en a quand même qui jouent toujours parce que ça reste fort, mais c'est moins abusif qu'avant. Du coup, bah quand c'est pas abusif dans la démesure, les joueurs ne jouent plus. Ça me fait trop rire, ça. Ils vont dire sûrement un sort très utilisé. Linceul qui est abusé. Linceul, c'est pas le truc de. C'est pas le truc de Sevagot ou je sais pas quoi, là. Le truc trop pété, là. Oui, voilà, c'est le truc de Sevagot, là. Tout le monde joue ça aussi là. Trop fort aussi hein. Ça abuse comment c'est fort. Hein. Beaucoup trop fort. Ça rend sa ring presque immortelle. Bah oui, oui j'imagine, oui. J'imagine que oui. Mais pareil, ils sont obligés de nerf ça, tu vois. Ouais, c'est un peu le problème quand tu... En plus là le pire c'est que plus ils vont rajouter des warframes et plus ça va être difficile de tout équilibrer bien et tout, ça va être un sacré merdier. Hein. Donc il y aura un redénerf encore. On va s'attendre à ça. Il va y avoir des ups de beaucoup de warframes pour qu'elles soient rejouées, etc. Pour qu'il y ait un roulement. Voilà quoi. Bon, on fait quoi? On continue là ou pas? Si tu veux. Ah ouais, hein. Pas le choix. Hein. Faut qu'on fasse d'autres. Tu captureras, mec. Hein? Tu captureras. Non, 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 c'est bon. Ah voilà. Comment ça? Bah voilà. En mode. Ah, en mode, voilà, je propose un truc, t'es pas content. Bah non, c'est de la merde ce que tu proposes, mec. Petite session de chasse là? Bah non, maintenant on a pas de mission. Y'a plus. C'est-à-dire qu'avant je voyais aucune Sarid avec l'un seul. Bah oui, mais parce que. Déjà, ces wagons n'étaient pas sortis. Et que voilà. En fait, il suffit qu'il y ait un mec qui a eu l'idée de le faire et puis après ça se prête et puis tout le monde le fait et puis après, bah t'as que des Sarid l'un seul et puis bah tu t'abuses plus quoi. Et c'est un peu ça qui est bien avec Warframe en vrai comparé à d'autres jeux. C'est que t'es pas obligé de suivre les trucs ultra forts pour pouvoir avancer dans le jeu et jouer, tu vois. C'est pas obligatoire. Sinon, je ne jouerai pas au jeu, bien sûr. Ou beaucoup moins, en vérité.
Parce que j'aime pas les jeux à bêta. Une personne a décidé de mettre ça sur Yuyu. J'ai vu aujourd'hui. Yuyu, c'est qui? J'avoue, j'ai pas la ref là de Yuyu, j'avoue. C'est flou pour moi. Yoreli? Yoreli? Non, Yareli? YouTube? Ah, YouTube. YouTube, ah, Yareli, bonne frame ça. Ouais, bah on il suffit pas... qu'il y ait un mec qui le mette sur YouTube et c'est fini, ouais. Yareli, ouais, t'as raison, parlons-en, lol. Pire échec de l'histoire, ça, Yareli. Bah, son ouais. Snowboard, c'est encore plus gerbant que Titania à sa sortie. Qui se prenait toutes les portes. Mais surtout que ça sert à rien, parce que la plus puff, hein. Enfin, genre, c'est bien dans les mondes ouverts, mais les mondes ouverts, tu passes pas ta vie, quoi. Yareli, j'ai du mal à la jouer, bah oui, parce que c'est à chier. Donc, t'inquiète, c'est pas toi, hein. Le problème ne vient pas de toi, le problème vient que la frame est dégueulasse et que ben ils ont mis une frame avec un surf intégré alors qu'il y a déjà des surfs dans le jeu en fait, donc à quoi ça sert? Quel est l'intérêt de cette frame en vrai? Bah, petit spell. Waouh. Le surf. Waouh. Waouh. C'est comme Ivara qui a la seule frame qui peut utiliser ses spells sur des cordes quoi. Waouh. C'est Amazon ce que tu viens de me dire. Tu m'as fait changer d'avis sur Yareli, je pense que c'est la meilleure. Putain, une petite jupette, elle est trop mignonne, MDR. Non mais ça a été fait pour l'équipe Kujab ça, cette frame, je suis sûr. Hein. J'avais du mal à survivre avec. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais parlons des vrais frames quoi, parlons pas des sous-merdes. Je vous en conjure. Tiens d'ailleurs ça a été nerf Titania avec le... comment ça s'appelle? Infusé Goss. J'en vois plus. Je crois pas. Enfin... pas que je sache en tout cas. Pas que je sache, pas que je sache. Il devrait, mais bon. Nope, ça a pas été nerf apparemment. Oh là, tous les éclairs partout là. Me dites pas que ça vous fait pas quelque chose quand même. Je vous croirais pas. Ah, c'est problème de dégâts du côté de Tisha là. Et avec Vitalité Arconte, c'est encore plus fort. Vitalité Arconte, c'est lequel, rappelle-moi. C'est celui qui... Tu vois, je les ai tous montés comme un pigeon, mais je les utilise pas. Si j'utilise Arconte Over Extended, là. Ou non, Stretch Arconte sur mon Volt, mais... parce que je pense que c'est trop fort. Ça booste le feu, ok. Dégâts. J'ai pas changé de chien. Ouais. Moi je joue toujours avec le main tous les samedis. Bah oui, tu lui as donné mon nom en plus. Bah oui. Oh. Mais je parlais de toi enculé. Hein. La naïveté de ce mec quoi. C'est un mode trop fort aussi. Je crois que les modes Arconte c'est juste trop fort en vrai, vraiment. Hein. C'est pas si chiant à obtenir, mais d'ailleurs j'ai arrêté de faire les quêtes de l'autre con là parce que bon. Les trucs ça tourne en trois trucs là. T'as trois missions en tout, bon. Voilà, on souffle un peu. Oh, vitalité. Y a pas beaucoup de frames qui jouent avec vitalité en vrai de base hein. Quel frame joue vitalité en vrai? Vitalité Umbra pour améliorer les
spell, les effets des autres. Genre quoi, Nidus? Et encore? On a juste à... Oh là là, ah oui d'accord, ah oui putain. Voilà, j'ai pris le pod, hein. On le sait. Hein. Premier tic de feu, tu manges l'armure et vitalité enclenche un deuxième tic. Ah non mais c'est trop fort, hein. Ça je te crois, mais alors à 1000%. Hein. Wow. Ouais, je sais. C'est impressionnant. Hein. Bah maintenant, en plus des éclairs, il y a mes spells. Ouais. Mes particules, là. Les étincelles. Ouais, 42 000 là. Là on a fait un carnage. Là. Ah oui, c'est fort quand même. Oui, c'est quand même sacrément fort. Hein. Ils ont abusé extrême, je trouve. Mais non. En fait, je comprends pas pourquoi il y a des. Enfin, il y a des moments où ils font des frames qui sont genre ultra fortes et d'autres ultra nuls. Genre. Ils savent pas faire entre les deux, j'ai l'impression. C'est soit elle est ultra forte, soit elle est ultra chier, quoi. Hashtag Yareli, hashtag Wisp, quoi. Non, mais Yareli, c'est pour faire plaisir aux gens. Ouais, je pense que Yareli. Mais c'est lui, c'était pour l'équipe. Pour moi, c'est comme ces vagottes, hein. Enfin. C'est juste une frame pour faire plaisir aux émos. Aux émos. Pareil, la prochaine, c'est une frame pour faire plaisir aux fans de loup. À la commu, ouais, bah ouais. Je suis sûr qu'elle va être une à chier. Je connais elle pas ses spells. Elle va être à chier, ouais. En fait, tout ce qui vient de la commu, de toute façon, ça pue la merde. Au secours, arrêtez. Oh là là. Ils ont le droit d'être investis dans leur truc, je suis d'accord, mais lâchez-nous, quoi. Laissez les vrais gens faire des jeux, quoi. Vous êtes bien gentils les gars, mais vous êtes pas game designer, donc arrêtez. Ils ont fait Caliban. Bah Caliban, mec, t'en vois beaucoup en jeu là. Encore une fois, on se retrouve à deux. Mais comme d'hab, mec. Mais c'est comme partout, t'as vu Azariban. Azariban, c'était pareil, on était à deux à chaque fois. Je croise souvent. Après, je joue pas beaucoup au jeu, c'est vrai. Mais très honnêtement, des calibans, j'en ai jamais croisé. Hein. Enfin, on joue quand même toutes les semaines avec Tisha, on ne croise jamais. Hein. Peu importe où on est, il n'y a jamais de caliban. Hein. Mais jamais au grand jamais, vraiment. C'est au début, parce que les mecs l'ont monté, mais une fois que les mecs l'ont monté, ils l'ont plus jamais joué, tu vois. Comme moi. Comme Yareli. En sautant en strip armure. Ouais. Non mais ça doit jouer en steel pass, en team, tu vois. Alors tu joues en steel pass avec une team de phare, mais oui, là d'accord. Mais autrement, non. Oui, quand tu fais du 1 heure de survie en steel pass, ouais. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Autrement, bon, je doute que ce soit... très joué, quoi. Après tu peux pas faire jouer toutes les frames jouables en fait, il y a forcément des frames qui sont plus faibles que d'autres. C'est obligatoire mais. Enfin... Bah, toute jouable c'est possible, toute forte c'est pas possible. Ah, oui, toute jouable oui mais pas toute forte ouais. Mais surtout qu'en plus quand tu prends du recul sur toutes les frames qu'on a, il y en a la plupart, elles servent à la même chose en fait. Non c'est pas toute forte, c'est tout équilibré non, mais toute jouable ce serait possible. Ouais. Ensuite ça peut être fort comme pourri. Ouais mais bon. En fait le problème c'est que... Genre par exemple si tu compares... C'est pour ça qu'ils ont rebuild... Enfin qu'ils ont refait Humber par exemple. Parce que Humber et Volt c'était les mêmes. Hein. Leur utilité était la même en fait. Comme Sarin. Sarin tu la joues en défense, survie comme Volt. Enfin Volt tu peux la jouer en... aussi de jouer en vitesse etc, mais je veux dire ils ont quand même gardé ce truc de chaque frame, enfin il y a différents types de frames qui servent à des missions précises, tu vois.
C'est peut-être ça qui sauve certaines frames d'ailleurs. S12. C'est Strong ça non? Y'a moyen. Ah, la pire map de l'univers. Et on reçoit Trinity. Bah, Trinity c'est fort, mais. Y'a mieux en fait. Y'a Arrow en fait. Donc, ouais, genre, c'est bien. Est-ce que Arrow fait des dégâts en PV max, enfin en pourcentage de PV max de la cible? Non. Mais Trinity, je la joue pas à faire des dégâts. On est d'accord là-dessus. Parce que je me souviens qu'il y avait une, comment ça s'appelle, un événement quand j'avais commencé, vers le début que je commençais à jouer. C'était une survie et les mobs étaient 9999. Du coup, tu leur faisais pas de dégâts. Ouais. Mais eux ne te faisaient pas de dégâts non plus. Et du coup, il fallait trouver des moyens, enfin comme Trinity, pour ouais, buter les mobs. Bah c'est bien, ouais, c'est rigolo. Mais y'a que elle bah, qui y fait avait ça. Ah, y'avait l'étalité furtive, mais ils ont arrêté ça, je crois. Enfin, ouais. J'ai jamais retombé sur cet événement. C'est sûr que j'avais vu passer ça aussi. C'est vieux, hein. Ouais, je sais bien. Ouais. Je venais de commencer à jouer, je connaissais pas tous ces trucs, du coup j'ai pas réussi. Ah, c'est la pire map, hein. Vraiment celle-là, elle est horrible, hein. On est à 63% là de... Je vais essayer de laisser arriver, mais en les laissant arriver, elle le fait toujours. Oui, non, elle le fait toujours, mais le problème c'est que il y avait que elle avant qui faisait l'énergie, la vie, etc. Maintenant, mec, tu prends Arrow, c'est il est tellement plus fort que Trinity, je trouve. Bon, après, c'est ma frame préférée, donc peut-être que je suis un petit peu biaisé par ça, mais honnêtement, bon, tu veux pas me dire que Trinity c'est moins fort que Arrow, c'est pas possible. Quand tu prends Wisp, ça rendait de la vie, et maintenant avec Allonge Arconte, ça rend de l'énergie aussi. Oui, en plus avec tout ce qu'il rajoute et tout, il y a des frames qui peuvent tellement faire son taf à sa place en fait. C'est des anciennes frames, donc les anciennes frames elles sont forcément moins fortes que celles qui sortent, tu vois. C'est logique. C'est pour ça que tu vois plus de Trinity, ça fait des années que je vois plus de Trinity d'ailleurs. En termes offensifs, Aaron l'emporte. Mais même défensivement mec, hein. Genre... ça te régène ta vie, ça te régène ton énergie, c'est trop fort en fait. Le seul désavantage d'Arrow, c'est qu'il faut que tu fasses des kills pour ça, mais... qu'il est lent. Et qu'il est un peu lent, c'est vrai qu'il est un peu lent, Arrow, en vrai. Il est... c'est un peu un camion, mais... enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est tellement plus fort, ouais. Ah déjà? C'est déjà la fin du... quoi? C'est passé quoi, là? C'est que t'es arrivé au max. Ah ok, je suis arrivé au max, ok. En termes défensifs, c'est d'ailleurs est meilleur. Je peux que être, dans, que être en désaccord avec toi, mec. Comme défensif, mais... bah non, je suis pas d'accord non plus. Je peux pas dire que Trinity est meilleur qu'Aro, en vrai, c'est pas possible. C'est impossible que tu puisses dire ça. Aro, il sait tout ce qui est devant lui. Il a du CC, il a du, il a son ulti comment dire, qui te protège pendant un certain temps, tous les alliés à portée, mec, enfin qui te rend invulnérable. Ah non, tu peux pas dire que Trinity est plus fort que Arrow en défensif, c'est aussi. Le seul avantage de Trinity, c'est vrai qu'il y a un avantage que Arrow n'a pas, c'est que t'as pas besoin de faire des kills pour rendre des trucs, c'est vrai. T'as juste besoin de spammer tes trucs, c'est vrai. Mais honnêtement, mec... honnêtement, très, très sincèrement, à quel moment tu fais pas de kill? À quel moment tu fais pas de headshot? Trinity c'est bien parce que à l'époque le jeu venait de démarrer et c'est vrai que c'était difficile d'arriver, enfin d'avoir des mods très forts dès le début, etc. Donc c'est vrai que c'était très avantageux. Maintenant mec, c'est... je sais pas que c'était nul, hein. Mais attention. Juste que maintenant, elle est dépassée.
C'est dépassé Trinity maintenant. Ça sert plus à rien. Ouais. Seul moment où c'est mieux que Arrow, Trinity, c'est au début du jeu. Oui voilà, c'est ce que je dis. Au début. Arrow au début ça sert pas à grand chose parce que bon voilà. Tu connais pas encore toutes les mécaniques de headshot et tout, bah Trinity c'est plus simple à jouer que Arrow. Enfin, ouais, voilà, c'est oui oui. C'est plus simple à jouer les Trinity en vrai. Arrow c'est un peu plus difficile, enfin c'est un peu plus compliqué de comprendre la mécanique derrière. Mais non mais. Ah, oui. Mécanique chelou et tout, Trinity c'est old school. Ah voilà. Alors que Arrow il y a un système de. Dès que t'arrives au maximum de ton bouclier max, de ton over shield max, tu fais ton 2 pour augmenter ta vitesse d'attaque et la vitesse d'attaque de tes mates quand ils sont à portée. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Et quand tu fais des headshots, tu te régènes. Enfin, c'est trop fort en fait, Arrow. Genre, c'est incroyable. C'est le meilleur frame support du jeu. Hein. Après, il y a les rhinos et tout qui sont forts pour l'armure aussi. C'est vrai que ça donne pas d'armure, Arrow. Ouais. Non, Arrow, c'est pas le meilleur frame support. Moi, je trouve. C'est Wisp. Ça, c'est un avis. Faire un rond mais parce que c'est ma frame préférée donc je suis pas objectif là et aussi parce que tout le monde joue Wisp et c'est un méga avant ouais voilà et aussi ça aussi. C'est vrai que des Arrow on en voit pas beaucoup et Arrow il y en a jamais alors que c'est trop fort Arrow mais personne le joue alors que c'est juste insane tu vois la différence en fait c'est juste qu'il y a un mec qui a dit Wisp c'est trop fort c'est vraiment trop fort jouez le et du coup plus personne joue Arrow alors qu'Arrow c'est très fort aussi. Ça, c'est pas ça, c'est ah si mec Arrow est plus lent aussi. Wisp c'est très agréable, t'es rapide et tout le temps. Bah oui mais bon. Ça ajoute du confort de jeu. Après de toute façon ça c'est un peu les goûts les couleurs aussi hein. Mais tu m'en verras pas l'idée qu'il y a quand même le fait que comme les gens disent et la plupart des youtubeurs disent oui c'est trop fort, mobile, machin, personne joue les autres frames. En fait il y a aussi de ça dans les jeux vidéo, c'est que dès qu'il y a un mec qui est un peu connu pour jouer à ce jeu là, qui fait une vidéo en mode jouer ça c'est trop fort, du coup tout le monde va faire ça. Ouais, et les gens ne cherchent pas à jouer soit ce qu'ils ont envie, soit découvrir des trucs et tout, ils s'en battent les couilles. Eux ils vont sur internet et ils tapent meilleur frame machin. Et ils font, c'est tout. Ils réfléchissent même plus. Voilà. Moi ça me désole. J'ai un nouveau joueur, il utilise Arrow pour les Eidolons. Ouais, voilà, Arrow c'est trop fort pour les Eidolons. Aussi. Ça te permet de. L'ulti t'empêche de prendre des dégâts de son. De sa décharge. Énergique là. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est vrai, on pourrait faire des Eidolons le samedi. Non, merci. Fermer les arcanes là. Non, c'est bon, c'est. Bah, tu peux, mais pas avec moi quoi. Des trucs quoi. Bah tu proposes des trucs ouais, mais tant que tu proposes de la merde, moi je peux pas être d'accord avec toi mec, c'est tout. Captura, chasse, Eidolon, tu veux rien en fait. Non mais mec, j'aime pas ce contenu. Garçon. Je trouve ça horrible, genre vraiment. Depuis la sortie des mondes ouverts, ça m'a flingué mon amour pour le jeu quoi. Je déteste ces mondes ouverts de merde là. Du coup si c'est le frame, si monde ouvert, tu joues pas. Si, parce que le jeu sera conçu pour. Ah. Là, le jeu n'était pas conçu pour être des mondes ouverts. Du coup, c'est à chier. S'ils ont pensé le jeu pour de base, oui. NP. Là, c'est pas le cas. Je suis d'accord pour Eidolon. Comment ça, t'es d'accord pour Eidolon? Ah, pour que Arrow soit très fort, oui. Bien sûr. Mais du coup, tu joues Arrow, Trinity en Eidolon, les deux. Et quel intérêt? Ah, peut-être pour avoir de l'énergie tout le temps. C'est vrai que Arrow, si tu kills pas, t'as pas d'énergie. Et ce qui fait que du coup, c'est difficile de refiller quand il n'y a pas beaucoup de mauvais tours. Donc ouais, ça peut être... ouais.
J'ai encore du mal avec Volt, donc Tinetti m'a bien vraiment. Bah Volt c'est quoi Volt, le gameplay Volt en Edolon c'est quoi? Tu mets tes murs et enfin, tu mets tes murs quoi. Non? J'avoue que la plupart des Edolons je me suis fait carry en fait, donc j'avoue que le gameplay, enfin le tryhard des Edolons je connais pas. C'est quand même une dinguerie. Hein. Néo D5, yes. On va rentrer dans le portail. Non. Toi, je fais pas des dégâts avec le Rubico, soit un truc que j'ai pas compris. Bah, non, moi je pense que t'as pigé. Hein. Je pense que c'est juste que. En fait, c'est très dur à jouer Volt en Edolon parce que, en fait, tes murs, tu peux pas les. Enfin, tu peux les déplacer un par un, je veux dire, mais. L'Edolon, en fait. Pour placer tes murs, c'est juste infernal parce que ben les Edolons bougent tout le temps. Donc du coup, c'est très dur à jouer en fait. C'est très dur pour placer. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer Volt en Edolon et que je joue Arrow maintenant. Enfin, quand j'en ai fait quoi. Quand on m'a carry quoi. J'appuyais juste sur 4 moi. C'est tout. C'est ça mon palmarès. T'as le bon élément pour sur ton Rubico. Je sais pas s'il a plusieurs visions. Faut jouer radiation normalement. Ouais. Je sais pas si le Rubico il a plusieurs niveaux de zoom aussi, mais il me semble que plus tu mets de niveau de zoom, plus tu fais de dégâts. Radiation, ouais, c'est bon, c'est ça. Bah ouais, il l'a. Je crois que tu peux cumuler 3 murs, tu mets tes 3 murs devant et ensuite tu tires et c'est bon normalement. Enfin, je sais pas. Je vois pas ce que tu peux faire mal là-dedans, ouais. Toutes les armes. T'as radiation sur toutes les armes. Ouais, mais je crois qu'il faut peut-être que tu. Je crois que le Rubico, il faut que tu charges. Tu sais, il faut que tu charges un peu les dégâts quand tu zoomes. Donc, peut-être que t'es pas assez. T'as pas assez de dégâts. Enfin, t'as pas assez chargé ton zoom. Je vois pas autre chose en fait. Du coup, je fais tout au Redeemer. Ah ouais? Au Redeemer carrément? Ouais, t'es fort, ouais. Bien un truc Redeemer, c'est quoi comme arme? Redeemer, c'est pas un pistolet? Bah, yep, ouais, ah si. Ouais. Oui, c'est un pistolet. Je crois que c'est le pistolet que j'utilisais pour virer toute l'armure des comment ça s'appelle? Merde, comment il s'appelle des machins là? Tusk Dumper. Les Tusk Dumper. Les gros machins là, les trucs chiants là. Ouais, trop chiant, ouais. Avant la sortie des Necramecs. Parce que maintenant avec les Necramecs c'est super simple. Et avant que les glaives soient OP. Vastilock pour venir l'armure. Non, il me semble que j'étais. C'est quoi le Vastilock? Vastilock? Non, le Vastilock était pas sorti. Ah ça c'est comme les glaives, regarde il l'a dit tout à l'heure si je juste un instant. Personne ne joue de glaive. Il y a un mec qui a dit les glaives c'est trop fort. Tout le monde joue glaive. Tu vois c'est ça le problème aussi, c'est juste que. C'était soit Redeemer, soit Sarpa que je jouais. Sarpa? Sarpa ouais. C'est le premier pistolet qui est sorti. Mais du coup fallait jouer avec une posture spéciale qui faisait que tu t'avais énormément de proc. De statut dessus, ou je sais plus, enfin, il y avait vraiment une connerie comme ça. Il fait la même chose que le Redeemer, sauf qu'il proc mieux de l'impact. Ok. Ok. Enfin bon, maintenant il y a le glaive. Hein, pour les... Oui, maintenant il y a glaive, tu mets glaive radiation, je pense que c'est bon. Hein. Pour les Tusk Dumper, et de toute façon, j'en ai plus besoin vu que j'ai enfin eu ces putains d'armes de con. Là. Comment elle s'appelait? Je sais pas, hein. Corudo. Ah. Corudo.
Dans les Corrodo, c'était le dumper qui le donnait. Ouais. Oh, le cauchemar. On a fait ça, nous? Ouais. Oh, le cauchemar. J'ai quasiment tous fait tout seul, et puis on a fait quelques-uns ensemble, et c'était bon. D'accord. Et j'ai dû en faire plus d'une cinquantaine tout seul avant. Sacré cauchemar. Hein. Oui. Ah, je me souviens, ouais, que c'était un enfer, ouais. Glavivara. Glavivara, carrément. Ouais, parce que navigation, ça proc sur le glaive. Ah, ça proc navigation sur le glaive? Ah putain, c'est trop fort! Ça, faut que je teste ça, ouais, ça a l'air rigolo. Ça a l'air trop drôle. Ouais, ça a l'air trop drôle, cette histoire. Ça a l'air incroyable, même. Est-ce que tu peux faire proc l'attaque lourde en navigation? Je sais pas si... Je sais pas, mec, j'avoue, ça, j'en sais rien. Je sais pas si Atralumène, il sait. C'est oui. Génial. Oui, tu peux, putain. Trop marrant. C'est génial. J'ai jamais essayé, mais il faudrait que j'essaye. En fait, à partir du moment où t'as un projectile, la navigation fonctionne, en fait. Peu importe comment tu le lances. C'est incroyable. Ouais. C'est fou, quand tu regardes. Est-ce que ça marche sur le tir secondaire du Zenistar? Le mec toujours plus, c'est. Tu peux monter jusqu'à 1 milliard. Ah oui, bah oui, c'est ultra fort, ouais, le... C'est ultra fort, cette histoire-là. Navigation has been updated with new invasions. Chaos is spreading. Chaos is spreading. Je crois qu'il faut que j'aille aux toilettes en vrai. C'est pour ça que j'attends un peu parce que j'ai l'impression d'avoir envie de pisser, mais je suis pas sûr. Oui, c'est possible, ouais. Tout ce que navigation peut faire est très fort. Oui, mais pareil. Regarde, tu le vois pas souvent, hein. Les Ivara navigation, tu les vois quasi... Enfin, j'en vois quasiment jamais, moi. Déjà, des mecs qui jouent Ivara, il y en a pas beaucoup. C'est du burst, c'est pas du DPS. Enfin, c'est très, très, très ciblé et très lent à proc. Ouais. C'est juste que c'est un gameplay qui est, voilà, qui est un peu passif. Enfin, pas passif, mais qui est long, quoi. C'est un peu lent à mettre en place et tout, donc c'est vrai que... Comme ce jeu est plutôt rapide dans l'idée... Ce genre de gameplay, voilà quoi, c'est pas très joué quoi. Maintenant, quand t'as des mecs qui préfèrent jouer Wisp parce que c'est rapide, voilà quoi. Bon, je vais pisser, je reviens vite, œuf. À toute. C'est embêtant, Maraude. Ouais, mais enfin, faut pas la jouer sur des missions où tu te déplaces. Faut la jouer défense, def mobile, interception. Tu restes statique, tu te mets sur ton fil. Et puis c'est bon. Bon, survie, c'est bon. Si tu restes au même spot, y a pas de souci. Oh. Ah, ça parle. Ça fait du théorie crafting là. Ça y est, ça parle de build et tout là. Non, pas encore. Bah, pas encore. Ok.
Je la joue en survie. Ivara? Moi aussi je la joue en survie en général, je joue pas ailleurs. Ou pendant les chasses, lol. Enfin, je vais mettre mon focus, en vrai. J'utilise partout sauf en Didolon. Zellurik, 1,5 million. Attends, mais on finit là? Ah, peut-être pas. Non, tu finis pas. Non, je finis pas du tout en fait. Attends, mais ça va pas me baiser, ça? Allows abilities to be cast without using energy or shields, but requires 90 seconds to recharge. En gros, ça prend mon... J'ai pas besoin d'énergie ou de shield pour caster mes abilities, mais j'ai 90 secondes de cooldown. C'est chiant, non? Non, c'est en fait, c'est genre toutes les 90 secondes, t'as un spell gratuit. Ah, putain, je l'ai pas lu comme ça, moi. Ah bah, let's go, alors. Ok. On peut débloquer le dernier truc. Si je l'ai. Non, mais... Bah, pour moi, c'était pas ça. Hein. Pour moi, c'était justement... bon, c'est pas grave. Au pire, c'est pas dramatique, en soi. En soi, c'est pas grave. Mais en fait, vu comment c'est marqué, je pense que c'est plutôt que si jamais t'as pas d'énergie ou de shield, tu castes et ça te met un cooldown dedans. Ouais, je pense que c'est plutôt... Ouais, voir dans quel sens c'est. Mais du coup, c'est chiant parce que imagine tu veux pas utiliser et que t'appuies quand même par inadvertance. Enfin, pas inadvertance, mais t'appuies pour lancer ton spell. Du coup, tu t'auto-baises en fait, c'est à chier. Ça, bah, t'appuies pour lancer ton spell, t'avais pas assez d'énergie pour lancer, mais tu peux quand même lancer et puis c'est tout. Bah oui, mais ça te met 90 secondes sur le spell. Non si. Pas 90 secondes sur le spell, ça te met 80... Enfin, c'est... Ah, ça rush... C'est... Genre, c'est ce truc-là qui a 60 secondes de recharge. Bah ouais. Ok, je pensais que ça mettait un cooldown au sort. Moi. Bah oui, je comprenais pas. Mais c'est mal dit, je trouve, c'est mal dit. Je suis désolé, c'est mal dit. Voilà, je suis désolé de le dire, mais c'est mal dit. C'est dit comment en français? J'en sais rien, j'ai joué en anglais. Permet au pouvoir d'être lancé sans utiliser d'énergie ou de bouclier. Temps de rechargement, 90 secondes. Ouais, voilà, c'est point, temps de rechargement, 90 secondes. Ouais, là oui. Bah là, c'est clair en français, tu vois, je trouve que c'est clair. Parce voilà, qu'il y a marqué, ils ont mis un but requires, j'étais en mode, mais hein? Ils sont bêtes, les anglais. Bah oui, ils ont mis un but requires, donc pour moi, c'est pour moi le sujet de la phrase, c'est abilities, tu vois. Ah voilà, mets ton jeu en français et puis il n'y aura plus de problème. J'aime pas quand t'es condescendant comme ça, mec, je te jure. C'est, ça m'irrite de ouf, j'ai envie de te tabasser. Je suis juste con, et pas de descendant. En plus, t'es petit en plus, donc. non, mais moi je trouve que c'est mal dit pour le coup. Pour le coup, la traduction est beaucoup mieux. T'as dit quoi? Tu taperais plus petit que toi. Bah, je suis obligé, mec. C'est le mec qui croit qu'il est gigantesque, c'est alors que. J'ai une taille normale, hein, en soi. Raison d'anglais, ça pique les yeux. Bah, pas trop, non. C'est juste que là, pour le coup, c'est mal dit. Merde, j'ai oublié ça. C'est pas grave. Je préfère let's go. Moi, il y a des gens qui parlent sur, la... enfin, sur les chats enfin, ouais. De la version anglaise. Ah, bah, c'est ok. J'ai eu un succès. Parce que bon. Pardon, peut-être que là ça a changé. Mais au début j'étais sur les serveurs FR. Enfin sur les serveurs ouais, FR hein, pour discuter. Et bah je peux te dire que c'est bien vide. Hein. Il n'y a personne hein, sur les serveurs FR. Hein. Dans les chats, il y a vraiment personne. Hein. Ah oui, il y a toujours personne, hein, t'inquiète pas. C'est vide comme mes couilles, hein, c'est n'importe quoi. Hein. On a presque fini au bout de 8 ans quand même. Hein. On a mis le temps. Attends, je fais un truc vite fait là sur
sur ma tablette rapido là. Un peu chiant avec ça, je sais, mais je suis français donc en français. Oui, mais la plupart. Bon, là c'est mal illustré, malheureusement. Du coup, mon propos, tu vas me prendre pour un cinglé. Mais la plupart des jeux, en fait, qui sont faits en anglais de base, les traductions françaises sont approximatives. Alors oui, là, du coup, c'est pas représentatif, bien sûr. Mais voilà. Du coup, je préfère avoir le jeu en anglais en version originale pour être sûr de comprendre ce que voulait dire le développeur, en fait. Mais ça, c'est un vieux réflexe de jeu indépendant, ça. Sur les jeux indépendants, c'est beaucoup le cas, parce que les jeux indépendants font de la localisation et c'est toujours de la merde. Et donc pour pallier à ça, je mets les gens en anglais. Et même je préfère mettre les gens en anglais. Quoi qu'il arrive. C'est un peu mon... C'est mon côté bobo, ça. C'est mon côté bourgeois, tu vois. C'est mon côté casse-couille, mon côté parisien. bon, trêve de bavardage là. Let's go. Hey Sanctuary, on y va. De là. Quoi, t'es bobo toi ou... Parisien, j'imagine. Bon, j'habite pas Paris, hein. J'habite dans le sud de la France, mais je suis né là-bas. Donc voilà. Your duty in this experiment is to dispatch as many specimens as efficiently as possible. Ok, let's go. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. Vous aussi sur la VOD YouTube, j'espère que ces sanctuarides vous font plaisir, hein, parce que c'est vraiment, vraiment génial. On se régale, alors. On passe un moment délicieux là. Apparemment ça galère à tuer des mecs apparemment. C'est pas la 2 normalement celle-là? Non, elle arrive deux fois, en première et en okay. Cinquième je crois. Tu veux je peux aider. Bah ça va ouais. On galère pas quoi, juste long parce que c'est le mode de jeu qui veut ça, mais en vrai ça va, c'est gentil, t'inquiète. Enfin, si tu veux join, tu join hein. C'est pas nécessaire. On s'en sort bien. Alors oui, c'est vrai que ça me permettrait peut-être de jouer sur mon jeu mobile comme un connard, mais bon, je respecte un peu si chat quand même. Et je te respecte aussi, donc du coup. Ah, il y a le mirage. Oui. Mais il y a deux mirages. C'est ça que je devais essayer, c'était le mirage. Il y a deux mirages en fait. Il y en a une qui est meilleure que l'autre. Hein. Spoiler. Jailleur, j'aime trop Jailleur. Je joue pas Jailleur, mais j'aime trop en vrai. J'aime trop cette frame, elle est trop stylée, je trouve. J'aime trop. Peut-être parce que l'électricité c'est un peu mon élément préféré. Donc du coup j'adore ces frames. Oh, il a Boubonico lui aussi. Il m'a copié. Il m'a copié le boug. Du coup par contre, bah après de toute façon je peux plus. Ah oui mais je suis con, je peux plus avoir de. Je suis atteint ma limite en. Non, mais là je sers à rien là. Les mirages, elles font tout. Je suis une salope là.
Elles vont sûrement partir vague 2, comme toutes, comme tout le monde. Meurs, tu pot de sataniste. Voilà, un cas quitté déjà. Là, doit pas tarder à quitter aussi. Comment ça, il a quitté? On était que vague 1. Bah mec. Ah bah je mirage, il faisait pas assez de dégâts et. Ah pourtant si hein. Ah non, c'était l'autre, c'est l'autre, ouais c'est l'autre. Ouais. Ah ça aussi c'est un problème dans ce jeu hein. Ça aussi c'est un souci les amis hein. Si on peut en discuter 5 secondes là tous ensemble là. Les mecs arrivent dans des games et qui voient qu'ils c'est pas les mecs, que c'est pas les top 1 dégâts. Du coup ils ont pas le kiki tout dur, du coup ils s'en vont. Voilà. Ça, il y en a plein. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Ça, il y en a beaucoup hein, qui font ça, vraiment. Hein. Ça me rend fou. Moi, je suis content, moi, quand je suis pas premier, au contraire. Hein. Quand je suis pas premier au dégâts, je suis tellement content de me dire que, ça y est, je peux chillax, quoi. Il y en a, c'est leur... voilà. C'est leur fer de lance, ils sont en mode, je veux être premier au kiki metteur, sinon, je suis pas content, je m'en vais. Je crois qu'il joue Bibo Nico le gars. Pourquoi ça sert de déverrouiller les consoles? Rien. Rien, mais je le fais parce que j'aime bien utiliser mes ciphers. Alors tu utilises des ciphers pour ça? Ouais, j'ai la flemme hein, mec. Hein. Attends, là-haut. Mais laissez-moi alors, ça m'occupe pendant que tu tues tout le monde là. Mais c'est pas moi qui tue, c'est Mirage. Ouais, je suis sûr t'en fais. Ouais, bah j'en fais un petit peu. Mais c'est Mirage qui fait tout quoi. Donc tant qu'elle reste, tout va bien. Hein. Ah non, ah non, non, non. Attendez, je peux pas rentrer. Je sais pas où il est. Il est où? Il est où? Ok, il est là. T'es où? J'arrive, j'arrive. Ah. Il était en dessous de moi. J'ai un peu paniqué, j'avoue. Ah, ça c'est une bonne map avec des bons ennemis. Elle est encore là la Mirage? Ouais. Ouais, malheureusement. Là je vais pas être premier quoi. Viens, on s'en va. Allez. Moi ça va, tant que je suis pas dernier. Ah, il est parti là. Ah, je suis dernier. Il va falloir qu'on s'en aille. Ouais. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Dommage, dommage. Vie de route, hein. Ah bon, Kuva Brak, il est monté 40. Là. Ah, Max Rank, on a officiellement fini les Kuvas. On a tout monté toutes les Kuvas, là. C'est officiel. Voilà, on jouera plus jamais d'armes Kuva de notre vie. Voilà. Mais alors, toi, ce chien, il a pas de mode. L'autre, il avait des modes, il crevait. Et lui, il a pas de mode, il meurt pas. Incroyable. Ah, je pense que c'est un. Ils sont standing, je pense. Ils sont standing. On se régale. Hein. C'est vrai que c'est joli les boules de
Les boules de Jair. Ah oui, sont trop bien. Trop bien Jair, ouais, j'aime trop. Le design et tout, j'aime trop. En vrai, le design, je suis pas très très fan. Ah ouais, de la frame en elle-même, tu parles? Ouais. Moi, j'aime genre trop, son casque de base, je trouve dégueulasse. Je la trouve trop stylée. La tienne, en tout cas, elle est trop stylée en vrai, en tout cas. Ses épaulettes là, enfin ses épaules, j'aime pas du tout. Moi, j'aime bien, ouais. Ah, les goûts, les couleurs, c'est fascinant. Et ouais, et la jupe, enfin la robe. La jupe, je sais pas. Quand tu utilises l'ulti, ça fait un peu bizarre. Ouais. Ah, mais c'est rigolo. On verra les skins. Ouais, on verra les skins, ouais. Comme tu l'as dit. Y'a moyen qu'il y ait 300 plates qui partent. Ouais, ouais, je comprends. Encore là, dès que j'ai vu qu'il y avait le casque alternatif aux ondes nocturnes, je t'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté aussi, je suis pas sûr. Ah, j'aime tellement pas son truc de base. Faut que je vérifie, mais je crois que je l'ai acheté aussi. Deux frames électriques. On n'en voit jamais des Jair, non? Non, il n'a jamais non plus. Ouais, la frame est naze, hein. Bah moi je trouve qu'elle est forte en vrai. Mais je pense qu'il y a plus fort, c'est toujours pareil, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a mieux, tu vois. Genre en vrai, cette frame Jair c'est en extermination, tu vois, pour aller vite. Non, ouais, oh, c'est oui. Que t'as Trinity. Donc tu joues Trinity, je crois. Pas Trinity, Stania. Donc tout le monde joue Stania. Jair t'appuies sur 4 et puis tu cours. Ça j'aime bien. Bah oui, mais c'est bien, mais y a Titania quand même. Toutes mes lits, j'ai été les chercher avec Jair. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des frames qui sont forts, mais voilà, c'est qu'il y a des frames qui sont plus fortes, slash pratique, slash tout ce que tu veux derrière. Et c'est ça qui tue certaines frames et qui ne sont pas jouées. En soi, bon, quand tu regardes Jair, Jair, c'est quoi? C'est elle avance vite, elle fait des dégâts autour d'elle quand elle avance, machin. Bah oui, bah y a déjà des frames qui font ça en fait, mieux qu'elle. Hein? Y'a Wolf qui fait ça. Non, parce que Wolf fait pas de dégâts quand il court en fait. Ouais, wow, t'appuies sur 4. Bah, t'appuies sur 4 quoi, alors que Jair t'as juste besoin d'appuyer sur 4 une fois et tu fais des dégâts autour de toi. C'est mieux. Je fais moins de dégâts. Hein. Enfin, je sais pas comment je l'ai monté, mais. Les dégâts sont pas insane. Bah, est-ce que tu la full format et tout? Non. Voilà, bah y'a ça aussi hein. Si elle est pas full format, full opti, bon bah voilà. Ouais mais elle ferait des dégâts insane, on en verrait. Oui, c'était ultra fort, on en verrait mec, c'est sûr et certain. Voilà, alors que des volts t'en croises en externe. Ouais. Des Jair, bon. Après des volts t'en croises en externe parce qu'ils ont le speed boost je pense aussi hein. Et bon, en extra, tu vois. Jair aussi, elle a le speed boost. Son ulti, ça speed up. Hein. Ouais, mais ça speed tes alliés aussi? Non. Voilà, alors que Volt, oui. Je parle en matière d'équipe, pas en solo. Ah. Le monde ne tourne pas autour de toi, mon petit chat. Sache-le. Un jour peut-être, hein, mais pour l'instant. Non. Pense pas, c'est à l'équipe. La Pyrma, bien sûr. Quoique, avec Mirage, ça se passe mieux. Hein.
Titania speed et clean. Bah oui, mais Titania c'est mieux, voilà. C'est mieux que Jailer, alors que Jailer a la même fonctionnalité. Mais il y a mieux, donc personne ne joue. Et comme les gens sont en mode je veux le meilleur truc, bah ils vont prendre Titania. On parlait des mecs qui quittaient les squads quand ils étaient pas pris nos dégâts. Ouais. Moi je suis content quand j'arrive à la fin d'une exter et que je vois que je suis devant en dégâts d'une Titania. Ouais. Ouais, ça c'est différent. Tu vois, tu joues un truc de merde là, bien pété et t'as même pas être premier. Ah ouais, bah c'est parce que le mec est mauvais aussi. Ah oui, il faut que je passe au travers, merde, je crois que j'étais dessus. C'est pareil. Quand je vois qu'il y a un mec qui a un truc full opti et tout, et que moi j'ai pas d'arbre quasiment, et que j'ai juste une frame, et que je suis devant lui, je suis en mode bon, bah mec, bah t'es un peu nul quoi. Je peux pas t'en remettre en question. Il y a fort longtemps, j'arrivais souvent à faire ça avec. Ça s'appelle Loki Orthos. Enfin, Orthos ça, Prime. Ça c'est vieux de la vieille, hein. Loki Orthos, mon gars. Ah ouais, ouais. Mec, la Gwendao, pas Prime, hein. La Gwendao normale n'était pas encore sortie. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai que quand tu vois ce genre de mec, t'es en mode bon. Quand tu vois que je suis promis aux dégâts souvent avec un arrow, bon, t'es en mode bon. Allez. Ouais, ton fait beaucoup de. Enfin, ton low et tout, mais. Fait mal de dégâts. Tomb, ça fait trop de dégâts, ouais, trop fort les tout. Copie au-dessus, ils savent petit. Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça que je soulève tout le temps. Les gens ne cherchent plus par eux-mêmes, ils essaient même pas de comprendre, et juste ils copient bêtement comme des abrutis et ils réfléchissent pas. C'est comme dans le code, hein. Pareil, hein. Sauf quand tu démarres le jeu. Hein. Ah oui, pardon. Je me sens visé. Non, je parle pas de toi. C'est juste que ça me fait penser un peu à ça. Le ouais, mec à l'école qui. Copie un bout de code, j'ai pas compris. Eh voilà, bah oui, mais c'est bête. Il marche très bien. C'est bête. Je veux dire, c'est con en fait. Après, si ça marche, t'es en mode ok, mais tu sais même pas pourquoi ça marche. C'est ouais. Débile. C'est qu'il y avait un bug. J'ai dû le corriger et j'ai toujours pas compris. Ah. J'ai fixé un truc que je ne comprends pas. Bah moi tu vois, moi ça me trigger. Ouais. Moi ça me trigger de ouf de pas comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Donc le pire c'était à l'école hein mec. À l'école il y avait plein d'idées. J'ai pas le temps d'essayer de le comprendre. Ouais, et toi t'es dans un contexte différent, c'est vrai. Mais bon, quand on est à l'école t'as le temps tu vois. Il y a des mecs, ils copient des trucs. Et je lui fais ça fait quoi. Ou je lui demandais ce que ça faisait, il savait pas. Pour débugger, on est dans le cul quoi. Moi qui. Si je copie un truc parce qu'il y a un truc que je sais pas faire ou que. Il manque un élément que je le copie et j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Avant de le copier bêtement. Exemple revenant. Comment ça, revenant? Non, j'ai pas regardé ses builds et je sais même pas comment ça. Ah oui, revenant, oui, c'est vrai que maintenant tout le monde joue revenant parce que c'est ultra fort et machin et truc bidule, mais ça. Ça sait pas le jouer. Ouais, bien sûr. Mais c'est avec toutes les frames. Hein. Pas du tout. Je l'avais monté moi. Et quand il a fallu monter la prime, bah j'ai juste appuyé sur 4. Je n'ai pas lu les spells, juste j'ai appuyé sur 4 et je tournais dans toute la map. On a tous fait ça ouais. Non mais je copie des builds moi aussi sur le net hein. Je suis pas un théorie crafter moi. Moi faire des builds avec le jeu ça me gonfle. J'ai pas envie de passer des heures à faire ça. Et là c'est leur kiff. Donc ils le font, mais quand je copie un build, j'essaie de comprendre comment ça marche. Donc il y a des mecs qui mettent des descriptions, donc je les lis à fond et tout. Pour savoir dans quel ordre il faut mettre les sorts, etc. Mais il y en a non, il y en a, ils copient le build. Ils sont là, ils testent, ils font « Mais ça marche pas, ça fait pas de gars, c'est un chien, c'est pas comme dans la vidéo !» Tu vois le genre de gars. Et ça, il y en a des pelleteuses entières dans ce jeu, hein. C'est horrible hein. Necros elle mint non. Revenant Necros. Alors. Ok, on va recommencer la phrase. Revenant elle mint Necros ou Wisp. Alors attends. Revenant. Necros pourquoi? Pour terreur. Et Wisp pourquoi? Wisp c'est les étincelles. Ah ok. C'est trop bien. Faut que j'aille chercher une deuxième Wisp pour ça d'ailleurs.
Il faudra qu'on fasse ça aussi. Content d'avoir mon Helmin, mon revenant Helmin Protea. C'est quoi le truc de Protea qui est dans le Helmin? C'est le dispensaire. Ah oui, ça va, c'est bien ça. C'est pas dégueu. C'est du confort, je trouve, moi, le dispensaire. Mais ce qui finalement il est pas indispensable, lol. On adore l'humour ici. Bienvenue sur la CJM Télévision. Là on se régale hein. Là on est au top du fun là sur ce spot de jeu. Abonnez-vous. Je suis en permanence en 4 avec revenant, bah oui. De toute façon c'est son gameplay hein. Moi je préfère l'autre gameplay tu vois. Je préfère le gameplay avoir des petits potes et tout là. J'aime bien moi, ça me fait marrer ça. Ouais vas-y bah disable. M'en fous je tire pas. Voilà. Parce qu'une fois que tout est mort tu te casses les dents pour l'énergie. Ouais. De toute façon ça se joue en survie ou ce genre de truc non. Revenant. Dexter à la limite pour aller vite mais encore et Titania quoi. Est-ce qu'on va avoir au moins une piste quoi, au moins quelque chose, au moins un truc quoi, au moins un. Un canon. Ouais mais on a eu un canon mais on l'a déjà en 1000 fois le canon déjà. Bah ça fera 1000 et une fois. Il tarasse mec. À un moment donné, j'ai pas d'autres mots là. Bah, je suis pas promis au DPS quoi. Encore plus. Hein. Ouais. Vague 8 tu sais, il y a 50 secondes, viens on quitte. Non ça va. Insupportable le gars. Ah ! Au secours. Au secours. That was a close one. Très stylé ce skin de vol, j'aime beaucoup. En vrai si t'arrives sur le stream et que tu connais un peu le jeu en vrai, enfin que tu connais pas trop le jeu, jamais tu reconnais que c'est vol là. Tu sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de me demander c'était quoi, quel frame tu jouais. Ah bah. Et à chaque fois je retenais pas que c'était vol. Bon maintenant j'ai capté. Et hey, je joue plus Bonico aussi. Elle est stylée sa Mirage. Mais tu l'as déjà dit trois fois. Je joue plus Bonico. Oh ça va putain. Putain je me fais engueuler quoi. On a pas le droit d'être content en fait. Ah mais tu perds la mémoire. Mais non parce que j'aime bien te faire chier mec. Non c'est pas Volt, c'est Jailleur. Bah non, moi je suis Volt. J'ai un peu la dalle là, en vrai, faut que j'aille manger un truc. De toute façon il va être 5h, on va arrêter. De toute façon ouais, on va arrêter là en vrai. Hein. Je joue encore. On peut en faire encore une en vrai si tu veux. C'est sûr, il y a le temps. Ouais.
Ouais, ouais, elle finit à 18h, mais c'est juste que j'ai tout à faire à la maison. Mais ouais, on peut en faire une, on peut en faire une petite et on est bon. Je polarise. Vas-y, vas-y. Mais moi j'ai fini de polariser, je vais pouvoir changer d'arme, je vais prendre le Lightroom. Même si ça me sert à rien, moi je l'ai. On va s'arrêter à 5h parce que je dois passer le balai, tout ça, vous connaissez la chanson. Beaucoup trop de trucs à faire. Faire un truc propre. Soirée 4 ce soir, donc il faut que je fasse tout. Faut que je range un peu la maison et tout là. La vaisselle, tout ça. Allez, le dernier, on y après on arrêtera là les amis. Il y a de vos trucs dans la boutique là, par curiosité. Non. Oh, il n'y a pas grand chose quoi. J'aime bien la sienne de Nala là. Elle est stylée. Okay. Le jeu. La sienne d'Anna du pack de Styanax. Oh. La Lanex. Elle est stylée, je trouve. J'aime bien. Je peux. Oh, pareil, moi, ça prend une sienne d'Anna, moi, sur mes frames. Allez, t'es prêt? Ouais. Allez, le dernier, puis on va se laisser là. Ouf, j'ai failli partir avec les mauvais trucs. Le plus mauvais build. Ah merde. Ça aurait été chiant un peu. Ça aurait été un peu chiant. Pas de ouf chiant, mais ça aurait été un peu chiant quand même. Donc, du coup là ça va être la honte quand... quand je vais pas faire de dégâts avec le bon build. Ah, on démarre à 50% de base, je savais pas. Envie de péter un boulon. C'est quoi avec nous là? C'est quoi, c'est les mirages ça? Il y a une Nova. Qui a fait ça? Merci beaucoup à Tralumen, tu fais maintenant partie de l'équipage du capitaine Jeff Monson, merci infiniment. Je te fais d'énormes bisous. Tu es une personne de goût. Merci infiniment et merci d'être passé. À plus tard, Atra, j'espère te revoir. Sur un prochain stream. Et sinon la semaine prochaine pour le prochain stream Warframe bien sûr. Merci infiniment Atra. Des gros bisous. C'est bon, j'arrive à faire des dégâts, l'honneur est sauf. Bah oui, bah normal, je joue au mirage hein. Ouais, mais je sais pas, j'aurais pu appuyer sur le bouton. C'est toujours plaisir effectivement, merci à toi. C'est de plus en plus en ce moment. Ça fait plaisir. Oh, j'ai plus d'énergie, c'est foutu. Ah, triste, là c'est mort. On quitte? Ouais, quitte, vas-y, viens, on livre. Viens, on livre, on s'en va. Dans ton menton, on s'en va, mec. Proceed immediately.
là. Oh, ça fait tellement de dégâts le Bubonico. Enfin, ça fait tellement de dégâts différents. On a du viral. Il y a de tout en fait. C'est assez insane. On va se retrouver à deux, je pense. Hein. La mystique noob, il s'appelle le gars. Quoi. Avec sa mirage. 23% de dégâts quand même. Hein. Comme quoi. Hein. Ah mais voilà, hein, c'était pas la meilleure mirage. Du coup, il s'est barré. Ah non, il est toujours là. Hein. Ah ouais. Il va partir soon, mais... Il part la deuxième vague, là. Deuxième vague, je parie qu'il rentre pas, moi. Je pense qu'il rentre pas, deuxième vague. Pas la troisième, pardon. Oh, une console. C'est vraiment mon seul plaisir dans ce mode de jeu, hein. C'est de déverrouiller les consoles. Oh, t'es un peu dur. Hein. C'est pas possible. Ah, ça va, c'est chill comme mode en vrai. Je vais faire ça que de faire 5 heures de Red Jack, mec. Hein. Oh, ouais, putain. Parce que bon. J'ai fait un schéma du penant. La semaine prochaine, je pense qu'il va falloir qu'on le fasse. Hein. Enfin, qu'on se décide. Hein. Hmm. Ah, j'ai vu qu'il y avait Baba qui rejoue un peu au jeu en ce moment. Ok, joue avec nous au pire. Ouais, voilà. Il veut. Oh, je tire une vitesse, hein, descendre. Il y a un rhino. Ah non, oui, mais pourquoi il a fait des bruits de rhino? Parce qu'il doit être un fusée rhino. Il est un fusée rhino. Non, j'étais en train de désactiver une console, ça m'a fait rentrer dans le portail. Et alors? Ah non, bah, j'ai cru que j'allais pas avoir le temps de désactiver la console. Et ça, c'est grave. Bah non. Bah non. Bah si. Je vais prio. Ah bah écoute, frère. Quand même bizarre comme gars. T'as quand même des priorités assez inquiétantes. Ah, en vrai c'est équilibré hein. Comment ça? Niveau ouais, des c'est vrai. Ouais c'est vrai, c'est vrai qu'on est tous un peu équilibrés. Ouais, c'est vrai. Après ouais, moi je pourrais juste ne pas appuyer. Ah moi aussi, je pourrais ne pas appuyer sur et, deux. Et te laisser faire. Mais bon. Ouais c'est équilibré, c'est vrai. C'est bien, c'est agréable au moins, tout le monde participe. Y'a juste Swiss qui est juste là pour monter ses armes. Oh y'en a toujours un. Il y en a toujours un de toute façon. Quand les gars ils sont 4 à vouloir monter leurs armes, là. Ouais. Ah. Je vois pas de quoi tu parles, mec. C'était jamais arrivé. Non, non, non. Une fois en Arconte, mais bon, c'est pas. C'est pas non plus drôle. Ah, les mecs qui votent leurs armes en Arconte, là. Putain, je les déteste. Ah, c'est rare des connards, les mecs là, putain. Et aussi, vous montez vos armes en Arconte, les gars. C'est vraiment des salauds. Le problème c'est que je sais pas à quelle fréquence je dois spam mon 2. Bah pas trop parce que sinon il te le... Oui non mais enfin... Il te le cancel l'autre là. Il te le cancel. Mais pas l'ulti souvent... Aussi fait des bons dégâts. Hein. L'ulti aussi fait des bons dégâts. Ouais l'ulti aussi fait des dégâts ouais. Juste il dure une seconde quoi, c'est dommage. La grille. Il
Quand il est là. 0h56, ok. Ça va le faire. On va finir vers 20, 30. 15, 20 plutôt. Ouais. On a la moitié là. Donc ça va le faire. Ça devrait le faire, mes amis. Par contre, 10-4 focus, c'est nul. Hein. Ouais, bah en même temps, on est 3 à attaquer en zone, donc c'est chaud. Hein. Bah, puis je dois peut-être avoir une lentille de merde. Il est Putain, le mieux c'était la semaine dernière ou la semaine encore d'avant là. Avec le booster. En une vague, ouais. J'ai fait mes 400 000. Ah oui. Bah, t'as fait tes trucs quoi. Bah, j'étais solo. Ouais. Avec Barouk. Trop bien. Lentille niveau max. Ouais, vitesse où j'avance, c'est n'importe quoi. Moi, je suis vol, tu me diras. C'est indécent. Mystique Noob est rang 8. Oui, oui. Il est chaud. Il a regardé tout au YouTube. Hein. Ah oui, mais lui c'est sûr qu'il est pas là pour déconner. Hein. Le mec est pas là pour réfléchir. Hein. Il a tapé meilleur frame sans cuir élite machin. Il avait quelques formats, il a tout format, il a mis tous ses mods et puis voilà quoi. Ah mec, tu vois. Vous parliez là, des gars qui suivent des tutos YouTube sans les comprendre. Je suis pire que moi. Moi je suis les tutos YouTube, j'en ai rien à foutre de les comprendre, et une fois que j'ai monté la frame, je la joue pas. Alors c'est vraiment ma première game Mirage. Hein. Et ça fait combien de temps que je t'ai demandé le build là? Je sais pas, un mois facile. Un mois facile. Ah ouais, on en est là. Putain. Jouer avec un amateur les gars. Ah mais t'as des reliques aussi alors du coup. J'ai du roleplay. Ouais. C'est un clone Mirage. Oh non. Adieu Wisp. Ah, y'a plus Wisp. Et Mystique Noob a tenu jusqu'au moins la vague 5. Hein. Ah je pense qu'il va faire la vague 8 hein. Tu ouais. Fais 5, tu fais 8 hein, sinon ça sert à rien. Hein. Oh t'es trop con. Ah y'a des vitres, bah y'a plus. Non peut-être tu cherches la partie de Korra qui vague 6 hein. Tu crois? C'est vrai que à son niveau, ça serait pas déconnant ouais. Ce serait pas déconnant du tout même. C'est pas mieux avec le Mirage. Deux. Ouais. Surtout une quoi. 27% de dégâts quand même. Ouais. Bah, je pense qu'il a compris le tuto hein, sur YouTube. Bah, je pense qu'il a compris le tuto ouais. Bon faut dire c'est pas dur hein, le tuto te dit spam 2. Appuie sur... Tue des mobs et appuie sur 2. Appuie sur 2. Presse tout. C'est vrai que c'est pas compliqué hein. Mais... Même ça, il y en a, il serait capable de pas savoir le faire. Hein. Ah. Bah, c'est quelque chose. Ah. Bah, si chat nous a quitté. Ah, bah non. Ah, le réseau ne répond pas. Bah, oui, t'as quitté là. Allô. Allô. Ah, ouais, je t'entends, mais. Ah, okay. Non. Bah, je vais partir, moi. Bah, je vais pas rester, hein. Ah bah moi non plus. Hein.
Merde, pardon. Hop. Voilà, on va pouvoir partir. Ah, c'est dommage que tu t'es fait l'écho là. Eh ben, elle sait que t'as des trucs à faire. Il est 5h. Elle m'a des doses. T'as des doses carrément. Ah ouais, je sais pas, c'est bizarre, ouais. C'est très bizarre. Ouais. Non, après, ça arrive, j'ai des connexions pourries. Enfin, que j'ai des drops et tout. Jusque là, c'est le premier sur Warframe. Bizarre. Bizarre. Bon bah écoute, on va s'arrêter là, on va pas continuer, ça sert à rien. Dommage, on aurait pu... Ça se trouve c'était là. Hein. Oh putain, ça se trouve on allait avoir deux parties là. Vaccine C8, ça allait tomber. Oh putain. Ça se trouve dégoût. C'était là. On le saura jamais, mais ça se trouve c'était ici quoi. Ça se trouve c'était là. Tristesse. Bon allez. Bah des bisous hein, écoute hein. Pareil. On se capte de toute façon pour la semaine prochaine hein. On jouera la semaine prochaine je pense. Yep. À coup sûr. Des oubis. Ouais, salut. Bonne fin d'après-midi. Merci, ciao ciao à toi aussi. Voilà chers amis, c'est la fin de ce stream sur de ce live sur Warframe avec Sisha, c'était cool. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de streaming. On se retrouvera donc sûrement mercredi parce que mardi j'ai des trucs à faire et lundi on ne stream pas le lundi. J'espère que vous avez passé une excellente après-midi avec moi, passez un beau une bonne fin de week-end. Merci beaucoup. C'était le capitaine Jeff Postol sur la CGM Télévision. Ciao, bye bye. Bisous à tous. Your final verse.